Merci, pas juste pour baisser. C'est mieux, c'est encore sa maman, donc comme ça, c'est parfait.
C'est parti. Attention. Ah putain. Je vérifie que c'est bien mieux. Bon, si tu arrives à le faire, je te fais pour réussir. C'est bon, ça fonctionne. Bon, ouais. Ah, on y va. Ok. C'est bon, là. Ça marche. Ça marche. Ok, oui. Super. Bonjour, alors moi c'est Odilon, je suis l'ancien chef SSH pour les LAS, et donc je vais vous donner un cours sur la culture, un autre cours sur la sociologie du corps et de la santé, et voilà. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Moi ça va? Ok, super. Donc le premier cours c'est un cours sur la culture, il va être assez court. Donc, tout d'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est que la culture. Ici, on s'intéresse vraiment au sens anthropologique, c'est-à-dire pas au sens moderne qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter seulement aux arts, au cinéma, tout ça. Vraiment, on est dans la définition anthropologique. Donc, si on prend la définition qui est, par exemple, de Edward Taylor, c'est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. Donc en fait, finalement, c'est une définition qui est vraiment, vraiment large et ça correspond à tout ce qu'on acquiert par le fait de vivre en société. Donc c'est vraiment très lié à la société. Donc ça regroupe des éléments qui sont immatériels, donc, c'est-à-dire des principes, des idées, donc la morale, la religion, le droit, les croyances, et à la fois des éléments qui sont matériels. Donc nous, dans notre société à nous, on est une société moderne et tout, on peut par exemple noter les téléphones, les ordinateurs qui sont vraiment propres à notre société, qui sont assez nouveaux et qui caractérisent notre société finalement. Ce qui est intéressant à dire, c'est que par définition, la culture, elle s'oppose à la nature. C'est-à-dire que la culture, elle est acquise, alors que par exemple la nature, on l'a depuis la naissance, donc elle est innée, et elle procède de l'héritage, plutôt que de l'hérédité biologique, ce qui est le cas de la culture. Donc en fait, ça veut dire que ça se transmet de génération en génération, tandis que la nature, c'est ce qui nous définit, peu importe la société dans laquelle on aurait été. Mais parfois, effectivement, la limite entre culture et nature, c'est vrai qu'elle peut être assez floue, car on peut facilement considérer des éléments culturels comme naturels. Tellement ils sont ancrés dans notre culture qu'on ne fait plus la différence et finalement ça rejoint l'expression de seconde nature. Ok, donc maintenant on va parler de Franz Boas et le relativisme culturel. Donc Franz Boas c'est quelqu'un qui a fait une longue enquête in situ, c'est-à-dire au sein d'une société, donc par immersion. Il a fait une observation directe et prolongée des cultures primitives. Par culture primitive, on entend des cultures qui sont assez simples, souvent pas beaucoup de population très, très faible, quelques centaines de personnes limite. Et donc l'avantage de ces cultures, c'est que comme elles sont simples, elles sont plus faciles à étudier. Donc Franz Boas, c'est aussi donc, l'inventeur de cette méthode qu'on appelle la méthode ethnographique. Et donc c'est... elle va permettre l'immersion, ça correspond à l'immersion longue au milieu du groupe que l'on veut étudier. Ça a permis de montrer que finalement il existe une pluralité de l'existence des modèles culturels. Et donc ça remet en question l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait de comparer, quand on étudie une société, on risque de la comparer à notre propre société, à essayer de faire des comparaisons et d'utiliser notre société, donc la société occidentale, comme un modèle, alors que finalement, chaque société est propre à elle-même. On ne peut pas trouver d'organisation à une société si on la compare à la nôtre. On ne peut pas réussir à la comprendre, parce que finalement, vraiment une société, c'est propre à elle-même et ça ne s'étudie que par elle-même. Donc voilà, donc finalement, c'est ça le corollaire de cette approche, c'est que finalement, il existe une cohérence propre à chaque culture. Ce qui veut dire que l'organisation d'une société, elle est propre à la culture.
Et finalement, il y a aussi une autre personne qui a étudié, qui a fait des recherches sur la culture, et notamment sur la transmission culturelle, la façon, justement, l'héritage, finalement, comment la culture est transmise de génération en génération. Elle a notamment étudié les personnalités masculines et féminines au niveau des enfants, dans justement des cultures primitives. Et justement, le truc, c'est que nous, on a forcément tendance à se dire qu'à première vue, les personnalités masculines et féminines, elles sont universelles, donc c'est-à-dire qu'elles sont partout pareilles, c'est naturel, car elles sont liées au sexe, et donc elles sont d'ordre biologique, elles sont naturelles. Sauf que finalement, ces personnalités masculines et féminines, on se rend compte avec les études de Margaret Mead, que elles n'existent pas de la même manière dans toutes les sociétés, voire même elles peuvent ne pas exister du tout. Par exemple, elle a étudié plusieurs cultures primitives, il me semble les Chambouli, les Mundugumor, des trucs comme ça. Bref, en gros, vous n'avez pas besoin de connaître forcément les noms. En SSH, vous n'avez pas besoin de vraiment tout connaître par cœur, il faut réussir à comprendre en gros, comment ça se passe, comprendre les concepts et tout, et surtout savoir les reformuler, parce que dans les items de QCM et tout, souvent, ça sera reformulé par les profs. Et donc, c'est pour ça que apprendre exactement le cours bêtement, tous, vous allez perdre du temps, mais essayez de vraiment bien comprendre les principes et tout, et de reconnaître quand c'est reformulé, et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les items et tout, et que c'est bon. Elle a fait des études sur des cultures primitives. Elle s'est rendue compte que, par exemple, dans certaines sociétés, on pouvait se rendre compte qu'il n'y avait, par exemple, pas de différence. C'est-à-dire que dans certaines sociétés, les enfants, ils étaient tous traités durement, tous, voire même pas désirés. Et donc, du coup, il n'y avait vraiment pas de différence au niveau de l'éducation des enfants. Et finalement, leur personnalité, c'était à peu près les mêmes, en tout cas les représentations qu'on peut s'en faire. Et à l'inverse, pareil, je crois qu'il y a une autre culture ou une autre société qui s'appelle les Arapèches, où ils sont tous bien chéris de la même manière, ils sont tous aimés de la même manière, et éduqués de la même manière surtout. Et donc, finalement, on ne voit pas vraiment de différence notable entre leurs personnalités. Et à l'inverse, on peut aussi trouver d'autres sociétés où ça va être en fait inverser les représentations qu'on peut s'en faire, un peu les idées reçues qu'on a dans notre société à nous, et bien en fait, à la base, ça va être l'inverse. Donc, par exemple, on pourrait avoir les représentations chez nous, entre guillemets, que les hommes sont un peu durs, un peu sans émotion, ça, un peu autoritaire, et bien finalement, ça va être un peu les représentations, elles vont être le contraire. Et du coup, là-bas, les hommes seraient plus sensibles, plus à l'écoute, plus émotionnels. Vraiment ça montre qu'il n'y a rien de naturel là-dessus, ça relève simplement d'une transmission culturelle. Notre société, elle a une influence qui est énorme sur notre personnalité. Donc ça, c'est finalement ce qui a permis de remettre en cause tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur le sexe dans nos sociétés à nous. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie des cultures primitives et tout, c'est que ça permet finalement, à partir des conclusions qu'on a sur nos cultures, ces petites cultures, on peut les transposer à notre culture et finalement mieux la comprendre. Donc voilà, il résulte que les caractéristiques associées à chaque sexe ne relèvent donc pas de la nature, mais bien d'une construction culturelle, d'une transmission culturelle et d'un conditionnement social. Donc c'est ce qu'on appelle la socialisation. Donc cette socialisation, en d'autres termes, ça va finalement être le processus par lequel l'individu est partiellement construit par la société. Ça, c'est exactement le genre d'exemple qui pourrait être reformulé différemment, et des fois ça marche, et il faut faire attention parce que pour un petit mot et tout, la définition peut être fausse. Il existe plusieurs types de socialisation, notamment la socialisation primaire et secondaire. La socialisation primaire, elle a lieu pendant l'enfance, dans les lieux et instances imposés aux enfants, c'est-à-dire l'école, la famille, en particulier l'école et la famille, et puis après finalement c'est tous les endroits que fréquente, tous les lieux que fréquente l'enfant pendant son enfance. Donc les différents acteurs qui vont agir sur cette socialisation primaire, ça va être les parents, les professionnels de la petite enfance, etc. Ce qui est intéressant à dire, c'est aussi que cette socialisation primaire, elle peut être manifeste ou latente.
manifeste, bah, c'est finalement la façon directe, de la forme directe de la socialisation primaire. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, on va lui dire « Non, tiens-toi droit, sois poli, sois gentil avec les gens, tout ça. » Donc ça, c'est manifeste. Mais par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a aussi une forme latente de cette socialisation, qui est, bah, par exemple, le langage de la famille dans lequel l'enfant évolue. Le niveau de langage, eh bien, ça va forcément avoir une influence sur finalement, le niveau de langage de l'enfant plus tard. Ou au deuxième exemple, si un enfant écoute une musique et qu'on lui dit « cette musique est belle », sans forcément lui dire « tu dois forcément aimer cette musique », mais lui dire « cette musique est belle », et bah simplement, ça va un peu rentrer dans la tête de l'enfant, il va peut-être assimiler que cette musique est belle, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, c'est la forme latente de l'association primaire. Vous avez compris ça ou pas? Ouais, ça va? Ok, nickel. Et l'association secondaire, finalement, elle a lieu juste après l'association primaire, c'est-à-dire à l'entrée de l'âge adulte. Il y a finalement plusieurs petites socialisations à l'intérieur. Une socialisation professionnelle, qui est la plus importante, donc, parce qu'on passe énormément de temps dans notre lieu de travail, donc forcément ça a une grande influence. L'association conjugale, c'est-à-dire un petit peu avec le conjoint et la famille du conjoint, tout ça, ça a forcément une influence, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps avec son conjoint en théorie. Les groupes associatifs, politiques, religieux, ça forcément aussi ça a une influence. Ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte que la socialisation, elle ne s'arrête jamais. Donc même quand vous avez 80 ans, 90 ans et tout, même le plus têtu des gens, la socialisation, elle ne s'éteint jamais. C'est un processus qui est continu tout au long de la vie. Donc maintenant on peut parler de la construction des représentations sociales de la maladie. Ça, c'est hyper intéressant en tant que futur soignant, parce que c'est important d'avoir conscience que finalement les patients, ils peuvent se représenter leur propre maladie ou la maladie de leurs proches de façon totalement différente, et que ça permet, et ça, savoir ça, ça permet de mieux les comprendre et de mieux adapter le soin qu'on leur donne. Donc c'est pareil, le travail a été un peu amorcé par les sociologues des années, en tout cas Freudson, il me semble que c'est le 20e siècle. Donc voilà, surtout 20e siècle et un tout petit peu le 19e, la fin du 19e. Donc Freudson, pour lui, réalité organique et sociale de la maladie ne se confondent pas. Donc par réalité organique, tout simplement, c'est la maladie qu'on peut observer sur le corps. Donc je ne sais pas si vous avez un cancer et que ça se voit bien, et ça c'est la réalité organique, hein, c'est la conclusion de l'examen physique du médecin. Mais la réalité sociale, c'est comment ça va se répercuter sur la vie en société du malade. En effet, on peut avoir des symptômes sans que le diagnostic soit posé. C'est-à-dire que le malade va se sentir malade, et pourtant le médecin ne va pas réussir à poser un diagnostic. Et à l'inverse, un diagnostic peut être posé à tort, et ça va entraîner des conséquences sociales pour la personne qui va être considérée malade, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Le savoir médical, c'est aussi pas seulement une lecture de la réalité physique. Le médecin, il va construire la réalité sociale de la maladie. En gros, on dit qu'il crée la déviance, si on considère que la maladie, c'est une déviance, dans le sens où la bonne santé, c'est le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir agir, et du coup la maladie nous en empêche, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la maladie est une déviance. Et ainsi, vu que c'est le médecin qui établit la norme, qui dit si le malade est malade ou pas, c'est lui qui va dire, qui va créer la réalité sociale de la maladie. Et ça, forcément, c'est hyper important parce que ça a des conséquences sur la vie sociale, la réalité sociale du malade. Ces conséquences, c'est un risque de stigmatisation, d'étiquetage au sein de la société et même au niveau du monde médical. Bon, pourquoi la stigmatisation et tout? Je pense que vous arrivez à le deviner, surtout avec les histoires de Covid et tout. Au tout début de l'épidémie, on peut comprendre que les personnes qui avaient Covid et tout avaient un peu honte de le dire, parce que c'était assez nouveau et que les gens pouvaient avoir un peu peur et du coup... presque rejeter la personne, alors que finalement, c'est le contraire à faire. Mais bref, et quand on dit même au niveau du monde médical,
C'est parce qu'il y a eu pas mal de, bah, d'interventions de, du monde médical sur certains sujets. Je parle notamment au niveau de l'alcoolisme et surtout de la sexualité. Donc, on a quand même pas mal considéré que, par exemple, la masturbation ou voire même l'homosexualité, c'était une maladie. Et donc, c'est vraiment l'avis du monde médical, ça a vraiment une influence sur la réalité sociale de la maladie. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'appelle Marc Zborowski, qui a fait une expérience au niveau de la douleur. Donc ça, c'est encore un exemple qui va vous montrer que les représentations sociales de la maladie, elles sont très différentes. Et que finalement, elles se construisent parce qu'elles sont en rapport avec la société et avec finalement la socialisation qu'on peut avoir subie. Donc il a étudié l'expérience de la douleur sur 3 groupes américains, parce que voilà, il est en Amérique. Et il les a étudiés en fonction de leur origine ethnique. Donc il a étudié des Américains d'origine italienne, des Américains d'origine juive et des Américains de souche, entre guillemets. Et en gros, les conclusions qu'il a faites, donc là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de connaître tout dans les détails, mais vous avez besoin d'en tirer les bonnes conclusions. Donc il a remarqué que par exemple les Italiens et les Juifs étaient plus sensibles à la douleur et ils s'en plaignaient plus. Et les Juifs, ils restaient angoissés. La particularité des Juifs, c'est qu'ils restaient angoissés même après la douleur. Tandis que les Américains de souche étaient peut-être un peu moins sensibles. Et ça rejoint quelque chose d'aussi intéressant, c'est le syndrome méditerranéen, je ne sais pas si vous connaissez, qui, en gros, c'est simplement les personnes qui sont autour du bassin méditerranéen et au sud de l'Afrique du Nord, enfin, au niveau de l'Afrique du Nord, aussi, c'est pareil, elles sont plus sensibles à la douleur. Donc on voit que vraiment, il y a un rapport avec la société. Donc voilà, c'est ça, l'origine est un facteur qui joue sur l'intériorisation de la douleur. Et une dernière personne, qui est Claudine Erslich, qui a étudié les représentations sociales de la maladie. Il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Elle a montré que finalement les conceptions profanes de la maladie, conceptions profanes en fait c'est les conceptions des personnes qui ne font pas partie du monde médical, c'est-à-dire ça, conceptions profanes. Donc les conceptions profanes de la maladie sont totalement indépendantes du savoir médical. Donc ça rejoint la différence entre disease et illness. En fait c'est finalement en anglais les mots veulent dire la même chose, donc maladie. Mais disease et illness ont des sens quand même un peu différents. Dans le sens où disease, ça va être la représentation de la maladie par le soignant. Donc en fait, le moyen mnémotechnique, c'est de se dire que dans disease, il y a un D, donc D, docteur. Et illness, donc moyen mnémotechnique, I, individu, c'est la représentation de la maladie par l'individu, par le malade. Et ça va être très différent parce que forcément, la maladie n'est pas vue de la même manière par rapport au soignant qui a d'un côté son savoir médical et d'un autre côté, il n'est pas atteint par la maladie. Alors que l'individu, lui, le patient, il est directement concerné, donc il ne se représente pas la maladie de la même manière. Les maladies, elles sont généralement considérées comme exogènes, c'est-à-dire venant de l'extérieur, mais bon, ça c'est pas très important. Et ce qui est important, c'est le fait de remarquer finalement un patient, va pouvoir avoir des expériences diverses de sa propre maladie. C'est-à-dire trois possibilités, c'est pas forcément l'une ou l'autre, ça peut être un peu de tout, il n'y a pas de souci. Donc destructrice, tout simplement, c'est pas difficile à s'imaginer. La maladie, ça nous arrête, ça peut nous détruire un petit peu au niveau de notre mental. Et donc, ça ravage un peu la vie, on est obligé de transformer notre mode de vie. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que c'est destructeur. Libérateur, parce que ça nous permet de revoir nos normes. En gros, nos normes de vie, on pouvait avoir des objectifs de vie avant notre maladie, et que ça change depuis notre maladie. Pourquoi ? Je sais pas, ça nous a fait nous remettre en question, ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de témoignages d'anciens malades, qui montrent, qui disent que finalement leur propre maladie les a donné un œil nouveau sur leur vie et sur leur façon de vivre et sur le sens qu'ils donnaient à leur propre vie. Et métier, pourquoi ? Parce que de plus en plus avec les maladies qui deviennent de plus en plus chroniques, on a de moins en moins de maladies aiguës, c'est-à-dire des maladies qui ne durent pas longtemps, elles sont de plus en plus chroniques, donc les maladies chroniques, elles durent dans le temps, et forcément, nos soins se font de moins en moins à l'hôpital, ils se font de plus en plus au domicile du malade,
et ça rentre vraiment dans la vie du patient. C'est pas juste l'acteur, mais c'est plus seulement le soignant, c'est aussi le patient qui devient maître de son propre soin. Donc c'est-à-dire que finalement, quelque part, sa maladie devient un métier, dans le sens où il doit s'en occuper régulièrement, et ça fait, ça rentre dans son mode de vie, qu'il le veuille ou non. Donc voilà, ça c'est fini pour la partie culture, donc on va passer au deuxième diapo sur la sujet du cœur et de la santé. Est-ce que vous voulez une petite pause de 3 ou 5 minutes? Ça va ou pas? Levez la main si vous en voulez une pause. Ok, bon, on continue. C'est là. Alors. Attends, ça fonctionne plus. Alors. Putain, ils avaient fait comment tout à l'heure? Là. Tu peux là? Ouais. Tu vas sur projeter. Putain, c'est vraiment une informatique. Là, tu fais dupliquer. Ouais, c'est dupliquer. Ok. On a eu. Donc maintenant, sociologie du corps et de la santé. La sociologie va y avoir trois définitions qui sont intéressantes. Donc je vais vous les lire. Auguste Comte, au XIXe siècle, l'étude scientifique de l'organisation des sociétés humaines. Émile Durkheim, la science qui étudie les faits sociaux, c'est-à-dire des manières de penser, de faire, de penser, de sentir, fixées ou non, qui exercent sur l'individu une contrainte extérieure. Voilà, Durkheim au XXe. Et Raymond Aron, milieu du XXe siècle, l'étude qui se veut scientifique du social en tant que tel, soit au niveau élémentaire de relations interpersonnelles, soit au niveau macroscopique des vastes ensembles, classe, nation, civilisation. Donc on voit que finalement ces sociologues, donc un peu au tout début de la sociologie, qui ont essayé de décrire, d'expliquer ce que c'est que la sociologie, vraiment on voit que ça parle de science dans tous les cas. Donc il y a vraiment une démarche scientifique dans la sociologie. Il y a une idée que c'est vraiment une science. Donc on a, il y a des protocoles et tout. Ça a vraiment la volonté d'être vu comme une science. Voilà. Donc Émile Durkheim, c'est un peu comme le précurseur de la sociologie en soi. Donc au niveau du 19e, à la fin du 19e, il publie donc Le Suicide, donc un ouvrage qui est très connu. Et dans ce ouvrage, il défend l'idée que le suicide, c'est un fait social. Fait social, c'est-à-dire que c'est en rapport avec la société, que c'est intrinsèque à la société, que sans société, peut-être qu'il n'y a pas de suicide, mais surtout que finalement, qu'il n'y a pas de société sans suicide. C'est surtout ça, dans ce sens-là, que c'est important. Il n'y a pas de société sans suicide. Et il ne considère pas que la maladie est un fait social. Pour lui, la maladie relève de l'accident. Ça, c'est important. Le suicide, pour lui, c'est un phénomène qui n'est pas réductible à sa dimension intimo-psychologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne dépend pas que de l'individu. C'est pas l'individu, il serait dans la nature et tout, il suiciderait. C'est pas un suicide, ça. C'est vraiment, ça ne réduit pas à la personne, ça ne se réduit pas à sa dimension intime ou sa psychologie. C'est lié à des déterminants sociaux, à son mode de vie, à son travail, à la socialisation qu'il a eue. Et donc voilà, la conclusion, c'est qu'il n'existe pas de société sans suicide. Voilà. Donc Talcott Parsons, lui, c'est beaucoup plus tard, vers les années 1950, aux États-Unis. Ses travaux, ils ont permis la reconnaissance de la dimension sociale de la maladie. Donc c'est-à-dire tout simplement, nous, ça peut nous paraître assez logique de nous dire oui, la maladie, c'est une dimension sociale et tout. Ça n'était pas forcément avant. Et le fait simplement de se dire ça, ça a énormément changé notre façon qu'on a de prodiguer des soins. Et donc c'est là qu'il y a eu véritablement la naissance de la sociologie de la santé. Je ne dis pas de la sociologie tout court, ça c'était avant, je parle bien de la sociologie de la santé.
Ta quatrième personne, c'est le premier à avoir analysé sociologiquement la maladie et le rôle du médecin à partir d'une analyse de la médecine de son époque, tout simplement. Donc pour lui, la médecine, c'est l'exemple parfait d'une distinction entre profession et métier. Profession, donc il le voit d'une façon un peu plus noble, dans le sens où les médecins ont un très haut niveau de formation, ça vous le savez, qui est absolument spécialisé, et surtout ils ont une activité qui est orientée vers le service à la population. En plus de ça, ils ont un haut niveau d'autonomie. Pourquoi ? Simplement parce que, bah, par exemple, les étudiants en médecine, ils sont formés très majoritairement par des médecins, par des soignants. Et donc finalement, la médecine est gérée par les médecins, par et pour les médecins. Il y a même un ordre des médecins, faire des médecins. Donc vraiment, c'est assez la médecine, quand même, c'est assez autonome comme profession. Donc cette médecine, elle a pour fonction de préserver la stabilité sociale. Donc, tout à l'heure, je vous disais que la maladie, c'est une déviance, et que du coup, le soignant crée la déviance. Et donc voilà, vu qu'il crée la déviance, mais d'un autre côté, il est censé la rétablir, finalement, il préserve la stabilité sociale, dans le sens où si tout le monde est malade, la société n'est pas en bonne santé non plus. Donc, il permet de rétablir sa stabilité sociale. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la sociologie fonctionnaliste. Le médecin, il a une fonction technique, celle de guérir, celle de rétablir l'ordre social. Au niveau des rôles du médecin et du malade, donc, le malade, comme le médecin, a des obligations et il a des droits. Les obligations, c'est de souhaiter aller mieux et de rechercher une aide compétence, d'être compliant, observant. Ça veut dire simplement écouter ce que lui dit le médecin et le faire, ce qui est assez compliqué des fois. Et les droits, donc il a le droit de ne pas être tenu pour responsable de son état, donc ne pas être stigmatisé, ne pas être maltraité par le médecin et il a le droit à ce qu'on ne lui fasse pas de reproches, quoi, tout simplement. Il a le droit à l'assistance aussi. Et il est exempté de ses obligations sociales, professionnelles et familiales. Au niveau du rôle du médecin, donc le médecin, il a une compétence technique, comme on l'a dit, et il doit avoir une attitude universaliste, c'est-à-dire qu'il doit traiter les patients tous de la même manière. Donc il doit avoir une attitude équivalente devant chaque malade. Il doit aussi avoir une neutralité affective, donc ça c'est un peu en rapport avec l'attitude universaliste, et son rôle est orienté vers la collectivité, avec une forme de désintéressement et d'altruisme. Donc ça revient un petit peu les débuts de la médecine et tout, avec Hippocrate et tout. Donc vraiment, il y a une grande notion d'altruisme dans la médecine. Et voilà. Et la relation médecin-malade, donc on peut dire qu'elle est dissymétrique. C'est-à-dire que le médecin et le soignant, il a des connaissances, parce qu'il a fait des études, il se connaît bien en médecine. Tandis que le patient, souvent, est ignorant, il ne connaît pas sa maladie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il se réfère au médecin, parce qu'il ne sait pas. Et donc voilà, c'est ça qui crée finalement une dissymétrie facilement, parce que à cause de la connaissance, il y a un état finalement, possiblement un sentiment d'infériorité par le patient. Et cette relation, elle est consensuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est dirigée vers la guérison. Le médecin et le malade ont tous un but commun, celui d'aller vers la guérison. Les médecins jugent d'une haute autonomie et d'une autorité professionnelle fondée sur un haut niveau de savoir. Au niveau de l'analyse sociologique de l'hôpital, donc j'ai mis psychiatrique en parenthèse parce que c'est finalement, les études ont été faites au niveau de l'hôpital psychiatrique, mais on voit que d'un point de vue global, ça s'applique à l'hôpital normal. Voilà, ça a été fait par deux personnes, Talcott Parsons dont on a déjà parlé, et Erving Goffman. Donc, dans ce cas-là, l'hôpital, il est étudié en tant qu'institution. C'est vraiment une institution à part entière. Et Talcott Parsons, donc, il a fait des petites études et tout là-dessus. Pour lui, il dit qu'au-delà des objectifs thérapeutiques, l'hôpital psychiatrique possède une fonction de gardiennage, de protection et de socialisation, et ça permet de maintenir l'ordre social. Donc finalement, il répète un peu la même chose tout le temps. Et Erving Goffman, lui, il a fait une étude qui est plus poussée, qui est plus critique que Parsons, avec une immersion d'un an, entier dans une de ces structures, dans un but sociologique et ethnologique. Donc lui, il va dire que l'hôpital psychiatrique, c'est une institution qui est totale. Totale parce qu'on y fait tout finalement. On dort là-bas, on mange là-bas, on se douche là-bas,
vraiment, on pourrait ne jamais sortir de la... Enfin, les, en soi, oui, les malades ne sortent jamais, ou quasiment jamais, de l'hôpital psychiatrique. Ils peuvent y vivre entièrement en autonomie. Voilà, il dit que c'est un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation sont coupés du monde extérieur aussi, pour une période qui est relativement longue et qui mène ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Erin Goffman, il a étudié l'hôpital psychiatrique du point de vue du reclus et de ses rapports avec l'institution. Donc c'est soit la collaboration, soit la rébellion. Mais voilà, donc il prend le point de vue du reclus, donc du malade, voire même des gens qui travaillent là-bas, parce que finalement, quand on travaille dans un hôpital psychiatrique, on y reste très longtemps, et finalement, au final, c'est parfois celui qui travaille là-bas peut rester plus longtemps que certaines personnes qui y sont parce qu'ils sont malades. Voilà, donc là maintenant, on parle vraiment de l'hôpital moderne. Il faut se rendre compte que l'hôpital moderne, c'est une organisation qui est bureaucratique, donc vraiment avec une administration assez forte. Donc l'hôpital est une bureaucratie, selon Max Weber, 1822, parce que c'est une organisation dont l'autorité se fonde sur la compétence, donc la compétence notamment des médecins, avec un pouvoir hiérarchisé. L'hôpital, vous savez, c'est très hiérarchisé, avec des règles impersonnelles, privilégiées, des buts prédéfinis et une division du travail qui est très importante. Cependant, le problème, c'est qu'à l'hôpital, on a deux lignées d'autorité en tension au sein de l'hôpital, et donc finalement deux logiques. La lignée administrative et profane, ça c'est celle de l'administration, des bureaux, tout ça, qui gère finalement l'hôpital, donc c'est d'ordre bureaucratique, et de logique rationalisatrice. Le problème, c'est qu'à côté, on a la lignée médicale et professionnelle, celle des médecins, qui est d'ordre charismatique, et de logique scientifique et technique. Forcément, le fait qu'il y ait ces deux types de personnes, ces deux lignées, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs en soi. Genre, la lignée administrative et tout, ça va plus être le budget de l'hôpital, combien on peut faire et tout. Et pour les médecins, ça va être soigner, quoi. Donc voilà, ça c'est source de conflit, parce que forcément, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est pas possible autrement. C'est déjà fini ? Ok, bon. Donc, du coup, c'est fini pour le diapo sur la société du corps et de la santé.
Mais vas-y, En fait, j'aurais fait pas 5 ou plus comme ça, c'était 20, c'est-à-dire 32 livres. Non, mais je pense que les étudiants n'ont pas du tout le courage et il y en a qui ne sont pas du tout revenus non plus. Après, sinon, ils pouvaient venir sur Caen, quoi, s'ils n'avaient pas envie d'aller sur Alençon, mais c'est un peu dur. Bah, peut-être qu'il y en a qui font ça. J'ai un peu fait le tour, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de droits déjà. Donc, puisque c'est du droit, je pense. Et tu as tous demandé, ils Ouais, je la vous faites quand, Alençon, et tout. Ok, mais j'ai eu que des carrés, vraiment. J'en ai peut-être coupé, hein, tu me diras. Mais... Toujours avec Amélie, on a du pas. Il y a beaucoup de marques. Ouais, t'as vu ça. Vraiment, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, bah, excusez-nous. Ce sera celui-là. Ouais, nickel, ça rentre. Oui, voilà, voilà. Bah, de toute façon, on va attendre un peu le temps qu'ils arrivent. Le live, il marche encore ou tu l'as coupé? Je l'ai coupé, là, non. Du coup, le live, vous faites calme. Ok, qu'à quand, au final?
coup, voilà, on vous a mis le lien du cas où vous voulez vous connecter, vous pouvez. On attend quelques minutes que chacun puisse se connecter tranquillement, et puis voilà, on commencera après. Merci. Je me souviens pas que c'était aussi long les quads. Je les voyais plus courts avant. C'est qui a mis quoi avec des tortues? Me dis pas que c'est Florian. Non. Franchement, ils sont morts. Non, Florian, il s'appelait Maître Guim, ça achète pas sur les cavités. Il y a des noms, ça me bute. Victor Stone. Hier, j'en avais 165. On va voir si on va battre un record. Attends, peut-être que tu vas devoir aller un peu plus doucement. Je vais devoir aller un peu plus doucement que ce que je t'ai dit. Pourquoi pas? Ça roule. Attends, je vais juste vérifier que YouTube est lancé. Bah, je vais attendre un peu, t'inquiète. C'est bon. Est-ce qu'on doit tenir jusqu'à quelle heure? 10h30? Ouais. Mais ça c'est va le faire. 20h25, c'est pas très bon. Ça va le faire. On va aller tranquille et tout. Tu m'arrêtes si je vais trop vite. Oui, mais t'inquiète. Tu prends ton temps, de toute façon, genre à la limite, dès que tu prends ton temps à lire et tout, et si tu veux ajouter des petites annonces, des petites anecdotes, bah c'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de peaufiner ça. Alors, c'est où L3Med. Il y a deux noms, mais. Il y en a vraiment un qui a mis une fonction linéaire. Là. Ça, c'est un matheux. Tu vois, il y en a encore plein qui doivent venir. On est sur 156. Donc, 180. Je pense qu'on va arriver à peu près 180 dans le temps qui s'arrête. Hier, j'en avais à peu près 165. Ok. Parce qu'il y en avait du coup qui n'arrivaient pas, enfin qui ne savaient pas qu'il y avait le wifi. Et là, ils savent ou pas, il faut leur dire. Voilà. Bah, il y a quelqu'un qui est venu. Et... Ouais, mais le reste, à la limite, redis-le. Qui a la wifi s'ils veulent. C'est quoi le nom? C'est Eduroam. Il n'y a pas de code? Si, il y a un code, c'est leur code d'étudiant avec le mot de passe étudiant. Ok. Si vous avez besoin, pour votre connexion, vous avez le wifi. Aussi ici, ça s'appelle Eduroam et vous entrez en fait votre numéro d'étudiant pour pouvoir accéder en mot de passe. Voilà, voilà. Hop. Parce que hier, ouais, il y en a qui faisaient des partages de connexion, ouais, mais genre ça plantait. Enfin, je voyais qu'il y avait toujours un nom qui descendait à chaque fois. À Alençon, c'est Kylian qui a partagé son sac à dos à tout le monde. Mais à Alençon, il n'y a pas de wifi, donc si tu gères pas tout à l'avance, t'es foutu. Puis moi, je peux rien partager pour le coup niveau wifi, mais j'ai pas grand chose. Moi non plus, j'ai que. Déjà, avec mon ordi, ça va être chaud. Il va falloir que je prenne mon ordi, comme il n'y a rien là-bas. Tu vas quand? J'y vais demain, lundi et mardi. Ok. Mais mardi, j'ai la correction de la colle, c'est pour ça. T'as une voiture ou pas? Parce que moi, j'y vais aussi. Oui, mais du coup, moi, je rentre ce soir et ah je oui, reviens tu pas sur quand. Okay. Ouais. T'es sur le Google Sheet ou pas de la brigade d'Alençon? Je crois pas. Je crois pas. Ah, faudrait que je suis sur le groupe de l'orga sur Messenger, mais non, je crois pas. Mais pas sûr du coup qu'il y ait autant de monde qui viennent à Alençon vu peu de tutés. Parce oui, que je sais qu'au début ils étaient 7 lundi, mais au final ils étaient une vingtaine. Ça faisait même pas de tutés par personne. Ah mais tu vois, c'est marqué se réinscrire sur notre truc. Du coup, je suis pas sûre que eux ce soit se réinscrire, mais plutôt s'inscrire. Pour les L1? Ouais. Ouais, je pense que c'est s'inscrire. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est pas sur leur UFR ça? Parce que moi, je me souviens qu'en droit, c'était sur mon UFR et que du coup, tu cochais l'option LAS en fait. Ouais, c'est ce que t'en avais pas, moi. Eh ben écoute, je vais aller la revoir tout à l'heure.
Mais après, je sais pas si ça a changé, hein, parce que cette année et l'année dernière, déjà, quand j'ai vu Benaïm, elle a changé plein de trucs. Hein. Ouais. Alors, ça sera juste un peu. Bon, du coup, on va pouvoir y aller, hein, puisque ça reste pareil. Vous m'entendez, c'est bon? Ok, bah du coup, je vous propose de commencer. Donc, première question. La culture comprend des éléments matériels et immatériels, s'oppose à la nature ou relève de l'hérédité biologique. Ça va. Peut-être pas trop. Donc, les bonnes réponses sont A et B, effectivement. Donc, la A, effectivement, la culture comprend des éléments matériels et immatériels. Matériels, on a vu, comme les téléphones, les ordinateurs à notre époque. Immatériels, comme la religion, la morale, les croyances. La réponse B, la culture s'oppose à la nature, est également vraie, dans le sens où tout ce qui n'est pas naturel est forcément culturel. Et la culture relève de l'hérédité biologique, c'est faux, puisqu'elle relève de l'héritage plutôt que de l'hérédité biologique. Donc on peut associer culture à héritage, pardon, et nature à hérédité biologique. C'est bon? Tout le monde suit? Ok, ça va. Donc question 2. Concernant Margaret Mead, les personnalités masculines et féminines ne sont pas liées au sexe. Les caractéristiques liées à chaque sexe relèvent de la nature. Tu peux aller plus loin, si tu veux. Alors, bravo, la réponse A est vraie, effectivement. Les personnalités masculines et féminines ne sont pas liées au sexe. On l'a vu du coup dans le cours précédent avec Odilon. Et la réponse B est fausse, puisque les caractéristiques associées à chaque sexe ne relèvent pas de la nature, mais d'une construction culturelle et d'un conditionnement social, donc le processus de socialisation. Mead a effectué des travaux en observant une population du coup en Nouvelle-Guinée pour arriver à cette conclusion. On l'a également vu dans le cours précédent. Voilà, voilà. Question 3. La socialisation professionnelle fait partie de la socialisation primaire. La socialisation primaire a lieu pendant l'enfance, la socialisation s'arrête à l'âge adulte, et la socialisation primaire va être manifeste latente. Alors, vous avez raison, les bonnes réponses sont B et D. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi la réponse A est fausse? Oui? Allez-y, qui veut? Socialisation secondaire, en fait, c'est pour la professionnelle. Oui, enfin, c'est l'inverse, du coup. La socialisation professionnelle fait partie de la socialisation secondaire. Bravo! La réponse B est vraie, du coup, la socialisation primaire a bien lieu pendant l'enfance. La réponse C est fausse. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi? Est-ce qu'elle nous amène jamais à consommer? Oui, c'est ça, justement, exactement. Donc c'est un processus qui vient toute la vie avec la socialisation primaire, secondaire et toutes les particularités de socialisation qui existent dans la secondaire, donc professionnelle, conjugale, etc. La réponse D est également vraie. Donc la socialisation primaire peut être manifeste ou latente. La socialisation manifeste désigne les choses imposées aux enfants pour leur éducation.
Voilà, voilà. Et l'attente, c'est, par exemple, on dit qu'une musique est belle, comme a dit Oudinon précédemment, donc l'enfant va l'intégrer, et cela peut-être pourra influencer ses choix musicaux par la suite. Donc voilà. Question 4. Qui a mené une expérience sur la douleur auprès de trois groupes américains en fonction de leurs origines ethniques? Fredson, Borowski, Erzlich. Pardon pour mes accents. Alors, effectivement, c'est bien pour aussi, du coup, réponse B. Donc, il a mené une expérience sur la douleur auprès d'Américains juifs, italiens, de souche, entre guillemets. Et il a observé que les Italiens et les Juifs avaient une plus grande sensibilité et une plus grande réactivité émotionnelle face à la douleur. Et par exemple, les Juifs, contrairement aux Italiens, restaient angoissés même après la douleur, en fait, juste après l'expérience. Et du coup, cela renvoie à ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui désigne le fait que les personnes originaires du bassin méditerranéen ou d'Afrique du Nord étaient particulièrement agressives face à la douleur. Et Erzlich, elle a affirmé que la maladie peut mener à des expériences diverses, donc elle pouvait être destructrice, libératrice ou venir du métier. Donc destructrice, ça veut dire que face à la douleur, la personne ne fait plus rien, vraiment s'arrête de vivre complètement et se renferme dans cette douleur. Libératrice, se dire, bon, je souffre, mais justement, je vais en profiter pour profiter de la vie, entre guillemets, faire de nouvelles expériences, etc. Et le métier, bah, s'orienter vers sa profession, tout ça. Question 5. Selon Durkheim, le suicide est au même titre que la maladie relève d'un accident. Il n'existe pas de société sans suicide. C'est compliqué à compléter. C'est bien, c'est bien. Pardon, excuse-moi. Alors c'est bien, vous avez bien écouté. Effectivement, il n'existe pas de société sans suicide. Donc, il considérait que le suicide est un fait social. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène réductible à sa dimension intime ou psychologique. En d'autres termes, on ne peut pas étudier le suicide en observant que l'individu. C'est forcément lié au fait de vivre en société. Il n'y a pas de société sans suicide. Et le suicide peut être lié à d'autres caractéristiques qui sont avant tout sociales, donc comme la situation familiale, le travail, la religion, la différence culturelle, géographique, etc. Et il fait également la distinction entre la maladie qui relève de l'accident et le suicide. Question 6. Concernant les travaux de Parson, il a reconnu la dimension sociale de la maladie. La profession médicale est caractérisée par leur haut niveau d'autonomie. Selon lui, la médecine ne permet pas de distinguer profession et métier. Je ne peux pas trop poser de questions. Alors, les réponses A et B sont vraies. Effectivement, Parson a bien reconnu la dimension sociale de la maladie et la profession médicale est caractérisée par son haut niveau d'autonomie. La réponse C est tout contraire fausse. Donc, la médecine ne permet pas de distinguer profession et métier, ça c'est faux. Puisque, au contraire, la médecine est un exemple vraiment parfait et fondamental pour distinguer une profession d'un métier. Et Parson est le premier à avoir analysé sociologiquement la maladie et le rôle du médecin à partir d'une analyse de la médecine et de son époque. Il a reconnu la dimension sociale de la maladie. Il considère aussi que la profession médicale jouit d'un haut niveau d'autonomie. Par exemple, les professeurs de médecine sont médecins eux-mêmes. Il n'y a pas ou peu d'intervenants extérieurs au monde médical qui participent au bon fonctionnement de l'exercice médical. Il existe un ordre médecin, etc., tout à fait
par les médecins, pour les médecins. Voilà. Hop. Question 7. Rôle du médecin et du malade sous une personne. Le malade a des droits et des obligations. La relation médecin-malade est dite symétrique. Le médecin est tenu à la neutralité affective et le malade doit souhaiter aller mieux. Alors, effectivement, les bonnes réponses sont A, C et D. Vous avez bien répondu, c'est bien, vous avez suivi, c'est cool. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi la réponse D est fausse? N'hésitez pas à demander un micro. Oui, exactement, c'est ça. Elle est dite dissymétrique, du coup, parce qu'on a le côté ignorance du patient et connaissance justement du médecin. Et elle est consensuelle parce que les deux doivent être orientés vers la guérison pour justement passer au-dessus de la maladie et réussir à guérir le patient. À partir des travaux de Parson et Goffman, l'hôpital possède une fonction de gardiennage, est une institution partielle et est une organisation dont l'autorité se fonde sur la compétence. Alors effectivement, et c'est une bonne réponse. Donc, est-ce que quelqu'un saurait nous dire pourquoi la réponse B est fausse? N'hésitez pas. Oui, 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 c'est exactement ça. Bravo. Donc, effectivement, c'est une institution totale et pas partielle, puisque tous les éléments de la vie quotidienne y sont rassemblés. Et la dernière réponse, du coup, l'hôpital est une organisation dont l'autorité se fonde sur les compétences. C'est vrai, parce que l'organisation dont l'autorité se fonde sur la compétence, avec un pouvoir hiérarchisé, avec des règles impersonnelles privilégiées, des buts prédéfinis et une division du travail très importante. Donc, l'hôpital représente le siège de la confrontation d'une ligne administrative et profane, d'ordre bureaucratique et de logique rationalisatrice contre une ligne médicale et professionnelle, d'ordre charismatique et de logique scientifique et technique. Ça vous va? Vous avez compris? C'est bon? Ok, super. On va mettre le classement final, du coup. Alors, bravo au podium, hein. Mais bravo à vous tous aussi d'avoir bien suivi. Vous avez tous, pour la plupart, très très bien répondu, donc c'est cool, c'est que vous avez plutôt bien compris. Si jamais vous avez encore des questions sur le cours, n'hésitez pas à intercepter les tuteurs qui sont autour de vous, qui sauront vous répondre et qui sont ravis de vous répondre aussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé, d'avoir suivi le cours, et puis bon, bonne continuation et bon courage pour les cours qui vont suivre durant la journée. Voilà, merci à vous.
Du coup, normalement, le cours de, qui suit, c'est à 10h45. On va essayer de faire en sorte de l'avancer à 10h30 pour que vous puissiez manger plus tôt en plus. Du coup, vous pouvez prendre une pause au moins jusqu'à 10h30. Et soyez dans les parages entre 30 et 45. On va peut-être essayer de démarrer le cours plus tôt. Voilà. Ah, c'était assez compliqué du coup de trouver des questions.
sont virgines. C'est bien. Ils sont un peu beaux là. Bonjour à tous. Et bah, je suis hyper contente de vous retrouver pour la chimie. Je suis contente que vous soyez restés. Juste un petit message. J'ai eu des petits lasses hier en détresse. Oui, la semaine en chimie, c'est une version condensée du programme. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire cette semaine, vous allez le retrouver pendant tout le semestre. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait pas tout savoir la fin de la semaine. C'est, on fait une version très très condensée pour que vous ayez à peu près toutes les notions en tête. Voilà. Ben, je vous laisse avec Laurine pour le diapo de la chimie générale. Là. Ouais, c'est à fond à droite. Au fond à droite, là. Ouais, à fond là. Là. Oups. Oui, justement, c'est ce qu'ils font. Projeter. Et dupliquer. Ça, ça va pas. C'est bon. Ok, alors salut tout le monde, je m'appelle Laurine et je vais vous présenter le début du cours de chimie générale. Donc si vous avez des questions, il y a les tuteurs comme ça qui sont là. Et voilà, si je vais trop vite, Ok, c'est parti. Donc on va commencer par atomes et définition. Donc là, je vais vous dire des choses que vous savez peut-être déjà. Et si vous ne savez pas, bah, c'est le moment de le savoir. Alors, un atome, pour ceux qui ne savent pas, un atome, vous allez avoir votre noyau et tout ce qui va graviter autour. Donc, le noyau, c'est ce qu'on a, enfin, dans le noyau, vous allez avoir des protons et des neutrons. Ok ? Est-ce que vous savez la charge du proton ? Ouais. On ne m'entend pas ? Ah, d'accord. Je pensais que tu dis on ne m'entend pas. Ok. Oui, c'est plus. Neutron, est-ce que vous savez la charge d'un neutron ? Ouais, neutron. Super. Et ensuite, ce qui gravite autour, c'est vos électrons. La charge de l'électron, c'est quoi? Voilà. Ok, bien, vous êtes chaud. Du coup, bah, tout ça, ça fait que l'atome, il est chargé équitablement en charge plus et charge moins. Sinon, c'est pas un nul. Ok? Donc, ça, c'est fait. Le tableau périodique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu au lycée ou pas. Ce que vous devez savoir, c'est pas du tout rien dedans, parce que vous l'aurez si jamais il y a besoin du tableau. C'est plutôt savoir comment il fonctionne. Par exemple, comment sont classés les éléments. Ceux-là, ils vont être importants quand vous allez faire des exercices que vous allez voir plus tard. Mais essayez de savoir à peu près que ici, par exemple, c'est les gaz nobles ou gaz rares. Que c'est ceux qui sont avec leur couche pleine. Mais je ne vais peut-être pas vous envoyer tout de suite parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait ça encore. Oui, vous avez fait ça? Ah, bon, bah, alors peut-être vous envoyer un peu. Mais bah, si vous avez vu hier ou un autre jour, vous avez peut-être parlé de ça, de gaz nobles. Ils sont classés en fonction des électrons qui sont composés. Et en fait, lui, c'est celui qui va avoir un électron et un deux. 4, etc. Et de plus en plus, et quand vous allez arriver ici, il est bien, bien, bien lourd, quoi. Surtout, vous ne l'apprenez pas, le tableau, où il faudra toujours donner. Ensuite, l'écriture d'un atome. Donc, vous avez déjà peut-être vu aussi l'écriture. Est-ce que vous savez ce que représente le nombre de A? Enfin, ce que c'est A. Nombre de masse. Ouais, bravo. Donc, les nucléons. Nucléons, c'est neutron plus proton. Est-ce que vous savez ce que c'est le nom de Z? Enfin, le nom. Ce que ça représente. Ouais. Ouais. Ouais, c'est le numéro atomique. Donc, nombre de protons. On va vous donner un petit exemple. Ah, voilà. Et X, okay, c'est le symbole de l'atome. Son nom. Donc là, vous avez O, c'est quoi? Oxygène. Donc, on voit qu'il y a 16 nucléons, 8 protons. Et comme on a vu tout à l'heure, que dans un atome, il y a des protons, des neutrons, des électrons, vous allez pouvoir en déduire aussi le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Est-ce que vous savez comment on en déduit? Sur quel principe on se base? Ouais, sur les charges, je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas. Donc, Z égale 8, donc 8 protons.
proton. Nucléaire, A égale 16. Donc, ça veut dire que le neutron, il va en avoir A moins Z. Est-ce que ça, c'est clair ou logique? Si ça l'est pas, on peut l'expliquer. C'est OK? Sinon, c'est ça. OK. Bon, super. Et électron égale nombre de protons. Est-ce que vous savez pourquoi électron égale nombre de protons? Ouais, c'est parce que c'est neutre. Et sinon, c'est comme proton, c'est la charge positive, électron, c'est charge négative, et bien il faut qu'ils aient le même nombre pour que ce soit neutre, qu'il n'y ait pas de balance déséquilibrée. Et nucléon, c'est pas le cas. Oui, nucléon, c'est pas le cas parce que c'est neutre, donc il pourrait avoir beaucoup plus de nucléons, ça ne changerait pas la charge de neutron. Ok. Un élément chimique est un ensemble d'atomes avec le même sel. Proton. Et les clés d'un élément chimique ayant le même numéro atomique Z, et des nombres de neutrons différents, sont des isotopes. Pour vous retenir isotope, retenez qu'il y a le P dans isotope, donc ils ont le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons. Isotope, même nombre de protons. Moi, j'ai pas fait diapo, donc il y a peut-être des blagues que je comprends pas. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est. Du coup, c'est quoi ça? Bon, c'est écrit un peu avant, mais c'est des isotopes. Parce qu'ils ont le même nombre de Z, mais pas le même nombre de nucléons. Ok. Un ion. Un ion, c'est ce que je vous ai dit. Quand un atome n'est pas équilibré, quoi, ça va être un ion. Parce qu'il aura une charge. Et pourquoi il a une charge? Parce que soit il a gagné un électron, soit il en a perdu. Et donc, il y a soit une charge négative en plus, ou 2 ou 3, soit une charge négative en moins, ou 2 ou 3. Ok. Là, le fer, 56-26. Électron, on sait qu'il y en a 26, parce que c'est un atome, c'est pas un ion, il n'est pas chargé, c'est pas F de plus, F de 3 plus, c'est juste fer. Donc, il a le même nombre de protons que d'électrons, mais ici, Fe 2 plus. Si il a deux charges positives en plus, est-ce que vous pensez qu'il a perdu deux électrons ou est-ce qu'il a gagné deux électrons? Ça, il a perdu. Parce que il y a plus de charges positives qu'avant. Super, donc il en a 24, 26 sont 2. Le chlore, c'est ok, l'électron 17 parce que c'est un atome. Ici c'est moins, donc c'est à l'inverse. Hein. Il y a une charge négative en plus, donc c'est forcément qu'on a rajouté un électron, parce que l'électron est chargé négativement. Donc il y en a 18. Essayez de réfléchir comme ça parce que. En fait, quand on voit 2 plus, on veut dire « Ah, bah, du coup, il a gagné plus et tout, mais en fait, il y a un moyen. » J'ai un petit moyen mnémotechnique. Bon, je vois que vous avez bien capté et tout, mais au cas où, parce que c'est, des fois, c'est un peu ambigu. Mais un atome qui a perdu des électrons, il est positif. Et quand il a gagné, il est négatif. Voilà, si ça peut vous aider. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou on passe à chapitre 2? Ok, on passe au chapitre 2. Donc c'est masse et défaut de masse. Donc je vais essayer de ne pas vous perdre parce que. Enfin, je m'embrouille un peu, mais ça va le faire. C'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est logique. Donc, déjà, on utilise l'unité de masse atomique, UMA. C'est une unité à savoir. En gros, c'est juste que 1 UMA égale 1,76 × 10⁻²⁷ kg. C'est important dans les UCM parce que les exos et tout, ils peuvent vous faire des pièges. Une fois, ils vous en mettent en UMA, une autre fois en kilo. Ça dépend de la formule que vous avez utilisée, donc vous aurez peut-être de faire des conversions, mais c'est rien de plus qu'une conversion, ne paniquez pas et tout. Sachez qu'il faut la savoir, comme ça vous pouvez l'utiliser. Parfois les données, mais au fur et à mesure des exercices, vous allez en faire plein, donc vous allez la connaître, donc comme ça vous êtes sûr de vous. Mais voilà, c'est juste une conversion, mais il faut le savoir pour ne pas s'embêter les persos, parce que parfois vous êtes tombé dans les pièges du CM, et c'est pas que vous avez rien compris, c'est juste que vous n'avez pas fait la conversion, mais sinon tout le reste c'est bon. Donc on reprend ça, donc je ne vais pas vous répéter. Et donc, du coup, on se rappelle de comment est fait un atome. Donc la masse d'un atome, c'est la masse de votre noyau, avec la masse du cortège électronique autour, donc la masse des électrons. Là, on a mis Z, parce qu'un atome, autant d'électrons que de protons, donc c'est le nombre d'électrons fois leur masse. Pour le noyau, c'est les nucléons, donc c'est un neutron plus proton. Donc, Z, le nombre de protons, fois la masse d'un proton, plus A moins Z, parce que, vous savez, A, c'était le nombre de tous les neutrons plus protons, et comme on a déjà le nombre de protons,
on fait la soustraction, et vous donc là, ça va être le nombre de neutrons fois la masse du neutron, plus ça, ce qu'on a dit, le cortège électronique. Donc le nombre d'électrons fois la masse de l'électron. Ok. Ensuite, ça c'est les masses. Attends, tu penses qu'ils doivent savoir les masses? Non. Donc voilà, vous ne les apprenez pas, elles vous sont données, parce que bah, les données de l'exercice. Faites bien attention, toujours, UMA en kilo, vous ne fondez pas. Si on vous demande le résultat en kilo, vous fondez tout en kilo. Si on vous demande le résultat en UMA, vous mettez tout en UMA. Donc voilà. Est-ce que ça, je passe ça trop vite, les slides, c'est bon? De toute façon, ouais, c'est bon, super. Voilà, ça c'est la conversion. Donc on a ça. Ensuite, ça c'est la masse théorique. Ok, c'est en soi, vous voyez votre atome, il est poussé comme ça, donc c'est ça. Mais dans la réalité des choses, il y a un défaut de masse. Parce que pour que votre noyau soit noyau là, avec une cohésion, il va avoir une perte de masse parce que ça va demander de l'énergie. D'accord? Donc en vérité, la masse du noyau, en pratique, pas en théorie, elle est inférieure à la masse théorique. Ok? Donc elle est inférieure à la somme des masses de ses constituants. Et ça va être dû au défaut de masse, qu'on va noter delta M. Attendez, il y a rien qui sort. Pourquoi il y a rien qui sort? Ah! Waouh! Donc la masse est du noyau. Là, je vous parle du noyau. Donc, on se ressent sur le noyau, pas que sur l'atome. Là, pour le moment, les électrons, on oublie. Donc la masse est du noyau, ça va être la masse théorique du noyau, moins le défaut de masse. Parce que le défaut de masse, il est que sur le noyau. C'est pour la cohésion du noyau. Donc voilà. Donc masse théorique, là, on avait fait de l'atome, mais en vérité, votre masse théorique que du noyau, c'est ça. C'est juste pour dire les électrons, mais le calcul reste le même parce que c'est ce qu'on. Le terme reste le même. Ok? Et donc pour le delta M, le défaut de masse, là c'est juste une soustraction, on passe d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien de méchant, on peut apprendre l'une ou l'autre, sachez que. Voilà. Donc masse théorique du noyau moins la masse réelle, c'est un défaut. Donc là, c'est faut pas s'inquiéter et tout, c'est juste qu'on récupère tout, le masse théorique du noyau. C'est que ça, sans les électrons, moins masse réelle du noyau. Et bon, pour calculer la masse réelle de l'atome, donc là, hop, on redézoome, je reprends tout l'atome, vous allez prendre la masse de votre atome qui va être égale à la masse de votre noyau, comme on a vu tout à l'heure, c'était ça, en fait, masse réelle du noyau, c'est ce qu'on a noté là. Ça, c'est bien masse réelle du noyau, plus les électrons. Parce que les électrons, ça bouge pas, en fait. Que ce soit théorique ou réel et tout, ça bouge pas. Mais juste, là, il y a pas mal de pièges en EQCM, c'est genre, on va vous chercher sur masse de l'atome, masse du noyau, masse réelle, masse théorique. Il n'y a rien de vraiment compliqué, sauf que c'est. Il y a tellement de choses en commun, des trucs qu'il faut faire gaffe et tout, que soyez bien sûr de ce qu'on vous demande, quelle unité, quelle masse, théorique, réelle, atome, noyau, comme ça vous aurez tout bon. C'est juste que, voilà, vous faites gaffe si vous cherchez pas mal là-dessus. Donc, et on va vous chercher aussi en code là-dessus. Donc, la masse réelle du noyau, on l'a vu, c'était le nombre de protons fois la masse, électrons fois la masse, enfin, neutrons fois la masse, moins le défaut de masse. Et ça bouge pas, c'est la même chose que là, les électrons, ils s'en foutent du défaut de masse. Ok? Donc ça, c'est la masse réelle du noyau. Et ça, c'est la masse théorique du noyau. C'est quand on ne met pas delta N, c'est la masse théorique du noyau. Ok? C'est ça, la masse réelle du noyau. Et tout ça, ensemble, comme on a mis les delta N, c'est la masse réelle de l'atome. De toute façon, là, c'est que les lettres et tout, c'est un peu chiant, voilà, mais avec des chiffres et tout, dans les exos, ça va aller tout seul. Ou si ça va tout seul au début, ça ira tout seul à la fin. Est-ce que ça va? Ouais? Oui? Ok. Super. L'énergie de liaison. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez, pourquoi il y a des formats? C'est parce que pour que le noyau forme un noyau, il y a une énergie nécessaire et donc ça va induire une perte de masse. Delta N, c'est la perte de masse sous forme d'énergie lors de la formation du noyau pour assurer sa cohésion. L'énergie de liaison, l'énergie de cohésion,
La seule formule à savoir, c'est delta m, donc on va donner plus de masse, fois c carré. Là, c'est la vérité. Là, apprenez bien qu'on a des formules, la formule en elle-même, et apprenez surtout bien les unités. Parce que vous voyez, là, votre delta m est en kilo. Et donc, si dans votre exercice, au premier QCM, on vous demande de calculer des plus de masse, et il vous le demande en UMA, vous savez, c'est votre unité, et qu'après, il vous demande l'énergie liaison, ils peuvent grave vous avoir sur ça, parce que vous allez dire, ok, moi, j'ai mon UMA, enfin, j'ai mon delta m, qui est en UMA, donc je le mets dans ma formule, et vous n'aurez pas le bon résultat, juste parce qu'il manquait la conversion, et que vous connaissiez votre formule, etc. Parce que c'est important de mettre un kilo, parce que là, c'est en joules, et en fait, si on... Là, je n'ai plus en tête de faire des bêtises, mais si on mettait l'équivalent joule avec les kilos, les mètres, les secondes et tout, en fait, c'est des kilos et ce n'est pas des UMA. Enfin, vous savez quand on met le point... Bon, là, je me perds peut-être un peu, mais... En tout cas, sachez que c'est du kilo, pas de UMA, mètres, secondes, moins 1, ça change rarement, et joule. OK ? Et un électron-volt égale 1,2 fois 10 puissance moins 19 joules. Oui, parce qu'on peut aussi vous demander en électron-volt ou en joule, mais voilà. Donc, pas trop que je vous fasse peur, mais c'est juste connaître ses conversions et ses unités. Et ça ira très bien. Ok, moi j'ai terminé pour mes deux chapitres. Est-ce que vous avez... Okay. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci de m'avoir écouté et bon courage. Salut à tous. Alors on va enchaîner avec la suite. Pour ceux qui étaient là hier, je vous avais présenté un peu les profils, donc du coup, bah, moi c'est Inès. Et on va continuer avec ce chapitre 3. Alors pour celui-là, je ne vais pas vous embêter hyper longtemps là-dessus parce qu'il n'est pas très compliqué et je préfère me concentrer sur la suite qui sera un petit peu plus complexe. Alors, donc en chimie, vous allez voir, on travaille énormément avec l'atome, vous allez le voir. Et comme Laurie vous l'a présenté, la notion de masse est super importante. On va vous demander de calculer les masses sous toutes leurs formes. Donc du coup, on va introduire la notion de masse molaire qui s'exprime en grammes par mol, parce qu'en fait, tout simplement, en atome ici, un atome, c'est tellement petit qu'on ne va pas considérer les atomes un par un, on va réfléchir en mol. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de calculer la masse molaire d'un atome. Donc, alors... Pas la formule. Voilà. Donc la formule, elle s'exprime comme ça, donc c'est la masse sur le nombre de mol. On va introduire aussi un nombre qui est assez intéressant, c'est le nombre d'Avogadro. En fait, il correspond à la quantité d'atomes, la quantité de masse qui se trouve dans une mol. Donc en fait, ce nombre d'Avogadro, il va être intéressant pour calculer la masse molaire d'un atome. En fait, on a une autre formule. Vous multipliez la masse en grammes par le nombre d'Avogadro. Et ça vous donne la masse molaire. Voilà. Alors, Laurie vous a parlé tout à l'heure de la notion d'isotope. Donc par exemple, fer 54, 56, etc. Ils appartiennent tous au même élément chimique, mais comme ils n'ont pas le même nombre de masse, pas le même nombre de nucléons, et bien ils vont avoir des masses différentes. Donc le fer 54, par exemple, va avoir une masse différente du fer 56. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va essayer de déterminer la masse moyenne du fer. Donc en fait, on va faire un petit calcul en prenant en compte les masses des différents isotopes pour arriver à la masse moyenne du fer. Et donc, on va prendre en compte les proportions des isotopes. Parce que les isotopes, ils ne sont pas tous dans la même quantité dans la nature. On va avoir certains isotopes qui sont plus abondants et d'autres un petit peu moins. Et tout ça, ça va être pris en compte. On va donc utiliser cette formule. En fait, pour chaque isotope qui existe, on va multiplier sa proportion par sa masse. Et on va faire une grande somme de tous les isotopes. Et tout ça, ça va nous donner la masse moyenne d'un élément chimique. Donc, je vous donne un petit exemple, par exemple avec le fer. Si on vous demande, par exemple, de calculer la masse moyenne du fer, eh bien, on va faire la masse molaire du fer
qu'on multiplie par son abondance en décimale, attention ici c'est un pourcentage en décimale, plus la masse du fer 56 multipliée par son abondance, plus la masse du fer 57 multipliée par son abondance, plus 58 par son abondance, etc. C'est super facile. Et ça, on peut vous le demander dans différentes formes. On peut vous dire en question, en exercice par exemple, de calculer la masse moyenne du fer. Donc vous avez juste à retrouver ça. En général, on vous les donne, les masses des isotopes, à faire vos calculs. Ou alors, on peut très bien vous demander la masse de l'isotope fer 57 et vous multipliez votre formule et vous arrivez à le retrouver. C'est super facile, ce qui compte, c'est surtout de ne pas s'embrouiller dans vos calculs. Mais normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on va passer au chapitre suivant. Ah, excusez-moi, on va faire un exercice avant pour que vous compreniez bien cette notion. Du coup, je laisse la parole à Théophile. C'est toi qui parle ? Alicia. Ah, Alicia, pardon. C'est bien. Bon, c'est Alicia, du coup, c'est pas Théophile, mais ça ira quand même. Donc, je vais vous présenter un exercice sur les masses monères. Normalement, vous allez l'aimer parce que vous allez voir, c'est toujours la même méthode. Alors, du coup, pour commencer, donc, je vous rappelle l'énoncé. Supposons qu'il existe deux isotopes naturels du cadmium, le cadmium 111 de masse molaire 111 g par mol et le cadmium 114 de masse molaire 114 g par mol. Sachant que la masse molaire moyenne du cadmium est 112,411 g par mol, déterminez les proportions respectives de chaque isotope. Est-ce que quelqu'un a fait l'exercice ? Bébé, là ? Oui, très bien. Du coup, on va quand même enchaîner à... Donc oui, la masse molaire d'un élément chimique tient compte de l'abondance relative des différents isotopes. Là, du coup, on peut faire le lien facilement, là on voit cadmium 111, cadmium 114, on voit bien que le nombre de nucléons correspond à la masse molaire, ça correspond au nombre de masses, puisque la masse est liée à la masse des nucléons, et les électrons, je vous le rappelle, ont une masse qui est négligeable. Donc voilà, ça c'est la formule que nous a rappelée Inès. J'espère du coup qu'elle était bien comprise. Le but, c'est pas, le but c'est de retrouver les formules logiquement, pas forcément les apprendre par cœur. Et du coup on va faire un système d'équations. En fait c'est juste la formule qui est traduite en données chiffrées avec les données de l'exercice. On cherche quelle proportion du cadmium 111 associée à quelle proportion du cadmium 114 va nous donner la masse molaire moyenne. Est-ce que pour vous, c'est logique de retrouver cette équation-là. Est-ce que vous comprenez d'où ça vient ? Faites ça. Ouais, ok, bon, si ce n'est pas super clair, n'hésitez pas à arrêter sur tous les tuteurs. Et on va réussir à résoudre ce système à deux inconnues à l'aide d'une autre petite équation. En fait, les deux abondances, elles vont former un tout. On a deux proportions de différents éléments et quand on les associe, ça forme un tout à 100%. Du coup, égal à 1. Donc la proportion du cadmium 111 plus la proportion du cadmium 114, ça donne la proportion totale du cadmium. Donc on peut dire que la proportion X plus la proportion Y, ça fait 1. Du coup, on fait basculer le Y à droite pour le repasser dans la première équation et obtenir une équation à 1 inconnu qu'on peut résoudre très facilement. Oui, ça nous fait 111X plus 114Y égale 112,41. On remplace dans l'équation avec x égale 1 moins y, du coup on a une équation uniquement avec des y. On passe tous les y d'un côté, tous les chiffres de l'autre, ça c'est assez basique et normalement ça va, et on arrive à trouver le y. Et à l'aide de l'équation x plus y égale 1,
on retrouve naturellement le x et on obtient y égale 0,47 et x égale 0,5295. Et du coup, vu que ce sont des proportions, des abondances, on le traduit naturellement en pourcentage. Donc on a x égale 52,95% et y égale 47,05%. Donc voilà pour les proportions du cadmium 111 et du cadmium 114. Est-ce que vous avez déjà compris pour cette première question? Est-ce que c'était plutôt clair? Ou ça, hein, si ça ne va pas. Faut le dire. Ok. Donc du coup, deuxième question, aussi pareil, basique, toujours la même méthode. Sachant que l'énergie de liaison du cadmium 112 est de 276,8 mégaélectronvolts. Quelle est l'énergie de liaison par nucléon de cet atome et qu'est-ce que ce chiffre représente? Ouais, du coup, en fait, là, c'est très simple. On a l'énergie de liaison totale et on a un nombre de nucléons. Le nombre de nucléons correspond au nombre de masses, donc c'est 112. Et vu qu'on a une énergie totale, on cherche l'énergie de liaison par nucléon. Naturellement, on divise par le nombre de nucléons. Ça, normalement, ça va, c'est quand même plutôt logique. Du coup, en divisant l'énergie totale par le nombre de nucléons, on trouve 2,47 mégaélectronvolts. Et tout à l'heure, on a revu la définition de l'énergie de liaison. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de me la rappeler. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Ça marche. C'est là-bas. Là-bas? Oui, là-bas, non. Ils sont avec les micros. Dis-le fort, sinon. Alors ouais, enfin moi je t'avoue que j'attendais plutôt une définition, une explication de ce que c'est que l'énergie de liaison, mais ça fonctionne aussi du coup. Donc je vous la rappelle de toute façon, l'énergie de liaison représente la force de cohésion du noyau de l'atome, et du coup sa stabilité, c'est un indice de la stabilité du noyau. Plus une énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable, puisque l'énergie de liaison, ça représente l'énergie en fait qui va être nécessaire pour dissocier le noyau en ses nucléons. Donc forcément, si cette énergie est élevée, le noyau va se dissocier moins facilement en ses nucléons et on déduit que ce noyau est plus stable. À surtout pas confondre du coup avec l'énergie d'ionisation. L'énergie de liaison est vraiment relative au noyau. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qui va servir à arracher un électron à un atome. Du coup, vraiment, à ne pas confondre. Et c'est fini pour cet exercice, du coup. Ok, du coup, je suis de retour pour parler un petit peu du chapitre 4. Alors là, on va vraiment commencer la partie un peu plus complexe, mais surtout la partie la plus intéressante. Du coup, je vous demanderai de bien être attentif, je ne vous demande pas de tout comprendre, mais si vous pouvez vraiment écouter bien, choper quelques infos comme ça, vous serez beaucoup plus à l'aise quand vous allez en train de vous prendre du prof. Et ce sera vraiment bien pour comprendre cette notion. Du coup, on vous a dit, on vous a parlé un petit peu de l'atome. Donc l'atome, le noyau avec les électrons autour. Mais maintenant, la question que vous me posez, c'est les électrons, ok, ils sont autour du noyau, mais comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont de façon différente ou pas? Donc ça, c'est la question qu'on va se poser. Comment est-ce que les électrons s'organisent autour du noyau? Donc je suis sûre que vous allez voir différentes représentations d'atomes, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, nous, ce qu'on va introduire comme notion aujourd'hui, c'est la notion d'orbital atomique. En fait, un électron, quand il est autour du noyau, on n'est jamais sûr à 100% d'où il est. Ok? Donc en fait, une orbital atomique, ça va être une zone de l'espace autour du noyau où la probabilité de trouver l'électron, elle est de 95%. En gros, on est presque sûr qu'il est là, mais pas complètement.
Mais en vrai, cette notion de probabilité, c'est, elle n'est pas primordiale, on n'aura pas calculé des probabilités, on va estimer qu'il est là. C'est juste à titre indicatif, on n'est pas sûr à 100% qu'il est là, mais il est. Et donc, ces orbitales atomiques, elles vont être différentes, on va les caractériser de différentes manières. Donc on va avoir, dans un premier temps, un nombre qu'on va associer aux orbitales. En fait, les orbitales atomiques, elles vont avoir des nombres auxquels on va les associer. Et donc le premier nombre, ça va être le nombre quantique principal. C'est un gros mot pour dire en gros l'énergie d'orbitale atomique. Donc les orbitales atomiques, elles vont avoir différentes énergies. Je pense que vous avez déjà dû voir ça au lycée, pour ceux dont on fait de la physique chimie, ça correspond aux couches K, Lm, etc. Donc en fait, on a tout simplement le niveau d'énergie 1 correspond à la couche K, le niveau d'énergie 2 à la couche L, etc., etc. Donc voilà, on représente les couches d'énergie autour du noyau. La couche d'énergie la moins importante au plus proche du noyau, et plus on s'éloigne, plus la couche comporte une énergie importante. Ensuite, on va parler de ce nombre quantique un peu bizarre, on appelle le nombre quantique azimutal ou secondaire. En fait, les orbitales atomiques, non seulement elles vont avoir une énergie qui va différer, mais elles vont aussi avoir différentes formes. Il y a différentes formes d'orbitales atomiques. Donc, ce nombre quantique secondaire ou azimutal, il définit la géométrie de l'orbital atomique. Et en fait, à quoi il sert? Tout simplement, le chiffre, la lettre L, pardon, elle va être associée à un nombre, et ce nombre il va vous donner une information sur la forme de l'orbital. Donc, on a par exemple, quand L prend la valeur 0, ça correspond à une orbitale de type S, donc à une forme particulière. Une orbitale de type P, c'est la valeur L, 2C, D, 3F, etc. Donc, en fait, cette lettre L, on va la calculer par rapport à l'énergie de l'orbitale. Donc en fait, sur chaque couche d'énergie, on va avoir des orbitales de formes différentes. On ne va pas avoir toutes les formes d'orbitales sur chaque niveau d'énergie. Et de manière assez logique, plus l'énergie est importante, plus on a des formes d'orbitales différentes. Donc, on va avoir des formes S, des formes sphériques, une forme, donc ça c'est une forme S sur un niveau d'énergie plus important, sphérique un peu plus gros, et voilà, on a par exemple une forme B, ça a cette forme-là. Ok? Et donc pour savoir combien de formes différentes d'orbitales on a sur chaque niveau d'énergie, bah c'est le nombre L, la lettre L qui va nous renseigner ça. Donc sur le premier niveau d'énergie, on a une forme d'orbitale, sur le niveau d'énergie, on a deux formes différentes, sur le niveau d'énergie, on a trois formes différentes, etc. Donc, on calcule par rapport à la lettre L, le niveau d'énergie. Donc, si L égale 1, L peut être égal à 0. Parce que c'est toujours compris entre 0 et L-0. Au niveau d'énergie numéro 1, L peut prendre la valeur 0. Donc, on a une forme d'orbitale qui est l'orbitale S. Sur le niveau d'énergie N égale 2, L, du coup, il peut être égal à 0, mais il peut être aussi égal à 1. Donc, sur le niveau d'énergie N égale 2, on a deux orbitales de forme différente, pas deux orbitales de forme différente, on trouve deux formes d'orbitales, la forme S, la forme P, etc. Plus on s'éloigne, plus une énergie est importante, plus on a de formes différentes d'orbitales. Est-ce que ça, c'est une notion qui est claire pour vous? Vous comprenez bien? Super. Alors, ensuite, ces orbitales de formes différentes, elles vont avoir des orientations différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une orbitale P, on va avoir plusieurs orbitales P sur un niveau. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Mais ces orbitales P, elles vont avoir des orientations différentes. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré une orbitale S. L'orbitale P, elle peut avoir cette orientation-là, cette orientation-là, cette orientation-là. Et le nombre qui va nous donner une information sur cette orientation, c'est le nombre quantique magnétique. Donc, de manière assez similaire à ce qu'on a fait, on va calculer le nombre quantique magnétique par rapport au nombre L et au nombre N, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et la valeur de N va nous renseigner
sur toutes les orientations possibles d'une orbitale, donc sur le nombre d'orbitales qu'on va avoir sur un niveau. Donc par exemple, sur le niveau 1, on va avoir une orbitale S, sur le niveau 2, on va avoir plusieurs orbitales S, et on va se mettre à avoir une orbitale P, ce qu'on n'avait pas avant. Sauf que les orbitales P, il y en a plusieurs, avec différentes orientations. Et donc pour savoir combien on a d'orbitales P et les orientations, on va calculer avec le nombre M. Ça paraît un peu compliqué, mais avec ce tableau, peut-être que vous comprendrez mieux. Donc, on reprend par rapport au nombre L, c'est comme ça qu'on va calculer. Donc, pour un chiffre secondaire égal à 0, c'est une orbitale S. Pour une orbitale S, le nombre quantique magnétique peut prendre la valeur 0, parce que c'est compris entre moins L et plus L. Donc, du coup, on a une seule valeur de M possible. C'est-à-dire que pour une orbitale S, il n'y a toujours qu'une orientation. Ok ? Donc vous allez toujours trouver sur un niveau d'énergie, quand il y a une orbitale S, il n'y a toujours qu'une seule parce qu'il n'y a qu'une orientation possible. Si l'orbitale c'est une orbitale P, donc on fait notre petit calcul et on voit que M peut prendre trois valeurs. Entre moins L et plus L, ou entre moins 1 et plus 1. Moins 1, 0, plus 1. Donc il y a trois valeurs de M possibles. C'est-à-dire que pour une orbitale P, il y a toujours trois orbitales P et trois orientations différentes. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça va pour vous? Et en fait, on fait ça à chaque fois pour chaque forme d'orbitale. On regarde, est associée à quel chiffre. On fait un petit calcul. On voit combien de valeurs peut prendre M. Et ça nous donne le nombre d'orbitales sur la couche. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous allez voir tout à l'heure, on va faire un exemple, ça va être un petit peu plus simple. Ensuite, le nombre quantique, donc le spin, c'est tout simplement le moment angulaire intrinsèque de l'électron en haut, son sens de rotation. Ce qui est important à savoir, c'est que dans chaque case, dans chaque orbital, on peut toujours avoir deux électrons, mais des spins opposés. C'est-à-dire que ça, en fait, un carré, ça va être une orbitale. C'est comme ça qu'on le représente. Ça, c'est pas possible. Parce que les flèches sont dans le même sens, ça veut dire que là, c'est le même spin. Donc ça, c'est interdit. Quand on va l'écrire, on l'écrira plutôt dans ce sens-là. Les spins sont opposés. Oui, bonne remarque. Quand on parle du spin S, ça n'a rien à voir avec l'orbital. C'est pas le S d'une orbitale atomique S, c'est vraiment le spin. Ok ? Donc, les orbitales, on va parler un petit peu de nomenclature, comment vous repérez un petit peu. Par exemple, si je vous dis 3P3, comment est-ce qu'on va analyser tout ça? Donc ici, le 3, il correspond à la couche N. Donc si je vous dis 3P3, on sait qu'on est sur la couche d'énergie N égale 3. Ici, la lettre P, ça correspond à l'orbitale, à la forme de l'orbitale. Donc si je vous dis P, vous savez que je parle d'une orbitale de forme P. Et le 3, ici, il correspond au nombre d'électrons dans la sous-couche. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que pour une orbitale P, on en avait 3 différentes. Donc quand on parle de la sous-couche P, si dans chaque orbitale, il y a 2 électrons, s'il y a 3 orbitales de forme différente, d'orientation différente P, dans la sous-couche P, on peut mettre 6 électrons. Est-ce que ça va pour vous? Vous comprenez bien? Ouais? Ouais, pas trop? On verra un peu plus tard, je vais détailler un petit peu plus. Donc là, on va prendre le temps de bien expliquer comment ça fonctionne depuis le début. Donc, on part sur le niveau d'énergie M égale 1. À chaque fois, c'est que des petits calculs, mais vous verrez qu'avec la pratique, ça ira beaucoup plus facilement. Donc, sur le niveau d'énergie L égale 1, on l'a vu tout à l'heure, on a fait des petits calculs, L peut être égal à 0. Ça veut dire que sur le niveau d'énergie L égale 1, on trouve que des orbitales S. Avec un L égale 0, M peut être égal à 0. Ça veut dire que non seulement on trouve que des orbitales S, mais en plus on en trouve qu'une seule, parce qu'il n'y a qu'une seule valeur possible. C'est-à-dire que sur le niveau d'énergie N égale 1, on trouve une orbitale de forme S, en S parce que c'est N égale 1.
donc sur le niveau d'énergie NBN1, on trouve une orbitale S. Ensuite, on passe au niveau d'énergie N égale 2. L peut être égal à 0 ou à 1, donc sur le niveau N égale 2, on trouve des orbitales S et des orbitales P. On calcule notre M, donc il y a toujours une seule orbitale S parce qu'elle peut prendre une seule orientation, et trois orbitales P. Donc sur le niveau d'énergie N égale 2, on a une orbitale S et trois orbitales P. Et ainsi de suite, sur le niveau d'énergie N égale 3, on trouve des orbitales S, P et D, parce que quand L est égal à 2, c'est l'orbitale D. On fait un petit calcul, on regarde le nombre de valeurs, le nombre de valeurs que peut prendre M, et ainsi de suite. Donc sur le niveau d'énergie N égale 3, on a une orbitale S, on a trois orbitales P, et on a cinq orbitales D. Ça, c'est toujours la même chose, quels que soient les atomes. Ce qui va différencier, c'est le nombre d'électrons qu'il va falloir répartir dans ces orbitales, mais c'est toujours le même ordre de remplissage. Sur le niveau N égale 1, vous aurez toujours qu'une orbitale S. Sur le N égale 2, toujours une orbitale S, trois orbitales P. C'est toujours la même chose. C'est juste qu'on va commencer par remplir le niveau d'énergie N égale 1, puis N égale 2, et selon les atomes, il y a plus ou moins d'électrons qu'on va devoir répartir dans toutes ces orbitales. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? À peu près. Ouais? Super. Alors, l'ordre de remplissage, c'est celui-ci. Je ne vais pas vous embêter avec les exceptions, vous reverrez ça plus tard en cours. Ce qui est important à retenir, c'est que l'ordre de remplissage des électrons dans les orbitales, c'est toujours le même. On commence toujours par remplir l'orbitale S du niveau 1, ensuite on passe au niveau 2, l'orbitale S du niveau 2, puis les trois orbitales P, etc. C'est toujours le même. Ce qui va varier, c'est les électrons que vous mettez dedans. Donc, par ordre d'énergie croissante, évidemment, on commence à remplir la couche d'énergie la plus basse, et plus on s'éloigne, plus l'énergie va être importante. Donc ça, voilà, c'est un petit diagramme qui peut vous aider à revenir à l'ordre de remplissage. Je ne vais pas vous embêter avec plus longtemps, je crois qu'en exercice, vous allez revoir plus en détail. La chose importante à retenir, c'est que l'ordre de remplissage, c'est le même. Une fois que vous le connaissez pour tous les atomes, et vous avez juste à mettre les différents électrons. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on se fasse un petit exemple? Donc si là, jusque-là, vous n'écoutez pas trop, là, c'est vraiment le moment d'écouter parce que vous allez comprendre concrètement comment ça se passe. On va se prendre l'oxygène. Donc l'oxygène, on va le chercher dans le cadre périodique. Il est là. Et l'oxygène, il possède 8 électrons. Parce qu'il y a 8 protons. Donc ici, rappelez-vous ce que vous avez l'urine, ça c'est le nombre de protons. Comme l'atome neutre, il y a 8 électrons. Et donc, ces 8 électrons, il va falloir les répartir dans les différentes orbitales. Donc, c'est parti. On va commencer par la couche N égale 1. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit, sur la couche N égale 1, on trouve une orbitale S. Donc, on va commencer par la remplir. Là, on a déjà casé 2 électrons dans l'orbitale S. Sauf qu'on en a 8 en tout, du coup, il nous en reste 6. Donc, on va passer à la couche N égale 2. Et on va regarder les orbitales qui sont disponibles. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la boucle d'énergie N égale 2, on trouve une orbitale S et trois orbitales P qui sont disponibles pour accueillir nos électrons. Du coup, il nous en reste 6, donc on va remplir. Hop, on va en réserver ici. Ouais, et ici on va en caser 4. Alors attention, regardez ce que je viens de faire. Vous avez remarqué qu'ici, on n'a pas mis 2 électrons directement dans cette orbitale. On a d'abord mis un électron dans chaque orbitale P, et comme il nous en reste un, on le rajoute. Ça, c'est une règle qui est importante à faire. On remplit d'abord toutes les orbitales de la sous-couche P, donc la sous-couche P qui comprend trois orbitales P, et ensuite, s'il nous en reste, on continue. Est-ce que ça va pour vous? Donc là, c'est bon, on a rempli nos 8 électrons, et on va pouvoir définir les orbitales des sous-couches, comme toutes les figures que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ici, 1S2, pourquoi? Parce qu'on est sur le niveau N égale 1, une orbitale S avec 2 électrons dedans. La sous-couche de S, niveau d'énergie 2, orbitale S, il y a 2 électrons dedans. Et la sous-couche de P, niveau d'énergie 2, orbitale P, et on a 4 électrons dans la sous-couche. En fait, ici, le nombre en exposant, ce n'est pas le nombre vraiment d'électrons dans l'orbitale, mais dans la sous-couche. Parce que dans une orbitale, on ne peut mettre que 2 électrons. Mais dans la sous-couche P, comme on a 3 orbitales d'orientation différentes, dans la sous-couche P, on peut en mettre 4.
Donc du coup, maintenant on va pouvoir écrire ce qu'on appelle la configuration électronique de l'atome. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut écrire ça. Donc ça, quand on vous donne cette configuration-là, ça vous donne une indication de comment les électrons sont répartis autour de l'atome. Du coup, l'oxygène, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous avec cet exemple-là? Ouais. On va s'en prendre un autre pour que vous compreniez bien. Donc voilà, cette règle est importante. Bien faire attention que toutes les orbitales d'une sous-couche doivent être occupées, chacune par un électron, avant que l'une d'entre elles puisse être occupée par un deuxième électron. Donc on remplit d'abord toutes les orbitales de la sous-couche et on continue si on a d'autres. Cette façon de faire, c'est peut-être un peu plus clair pour vous parce que vous voyez vraiment bien comment on représente les orbitales. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. On va se prendre un deuxième exemple pour concrétiser tout ça. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'exercices qu'il faudra faire. C'est pas compliqué, c'est même super fun quand vous serez un petit peu plus à l'aise. Mais faites plein d'exercices et ça ira bien mieux. Alors, le sodium. Donc, même chose, on va le chercher dans le tableau périodique. Le sodium a 11 protons, donc 11 électrons. Donc, on aura 11 électrons à répartir. Toujours la même chose, les orbitales, c'est les mêmes, elles ne bougent pas. Du coup, on commence par n égale 1. Toujours la même chose, une orbitale S qui peut accueillir 2 électrons. Sauf qu'il nous en reste encore 9, donc on va continuer. N égale 2, donc on a une orbitale S et 3 orbitales P. Du coup, elles vont pouvoir accueillir encore 2 électrons. Donc on remplit. Hop. Sauf que là, on ne les a pas tous remplis. Donc on va passer à la couche N égale 3. Il nous reste encore un électron à caser. Donc sur la couche N égale 3, il y a une orbitale S, 3 orbitales P et 5 orbitales B comme je vous l'ai dit, sauf que là, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'orbitale S qui va pouvoir accueillir notre électron supplémentaire. Donc là, on a casé tous nos électrons et on va pouvoir écrire la configuration électronique. Donc le début, c'est la même chose que l'oxygène, parce que le remplissage, c'est le même. Donc là, 1S2, 2S2, 2P6, attention, parce que la sous-couche P est complètement remplie, et 3S1. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Donc du coup, la configuration électronique du sodium, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Donc en fait, cette chance, c'est vraiment le nombre d'électrons, le remplissage c'est le même, c'est pour ça que ça, c'est commun avec l'oxygène, c'est juste qu'il y a plus d'électrons, du coup, on va à chaque fois un peu plus loin dans les orbitales. Plus il y a d'électrons, et plus on va un peu plus loin, et plus les configurations électroniques, elles vont se rallonger, etc. Est-ce que c'est OK pour vous, cette notion-là? Si vous ne comprenez pas tout maintenant, c'est absolument normal, ça prend du temps à se concrétiser un petit peu, c'est peut-être un peu abstrait pour vous, donc si vous avez juste chopé 2-3 infos et que ce soit à peu près clair pour vous, c'est vraiment très très bien, vous reverrez en cours, en long, large, en travers, avec plusieurs heures de cours. En fait, en médecine, c'est que ça. C'est tomber le gaz. C'est que ça. On va faire des bisou, tant qu'il n'y a pas le faire. T'inquiète, laisse les bisous. En bisou, il va le faire. Ok, c'est parti. Alors, on va passer au chapitre suivant. En plus, quoi? Ah oui, oh, j'ai encore oublié. Il y a un exercice, désolé. Je perds le fil. Du coup, c'est Colin, c'est ça? Qui va vous présenter un exercice. Et moi, je reviens tout à l'heure. Ok, donc on va faire l'exercice 2 sur les structures électroniques. Bon, l'énoncé, vous pouvez le lire si vous voulez, mais ce n'est pas très important. Pour ce faire, on considère les éléments suivants du tableau périodique, ionisés ou à l'état fondamental. Donc, vrai ou faux, la structure électronique du carbone, c'est l'hélium 2S2, 2P2. Donc je crois que dans votre énoncé, c'était écrit 2P2 et pas 2P. Ça change tout.
Est-ce que vous serez chaud pour répondre maintenant? Il y en a qui pensent que c'est vrai. Si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez lever la main. Ouais. Sinon, on va faire la correction directement si c'est encore flou. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Du coup, là, vous l'avez vu tout à l'heure quand Inès a fait le cours, mais vous avez hélium contre crochet. Ça veut dire que on s'occupe seulement. Ouais, on va faire ça. Excuse-moi. On va reprendre le cours. Alors, il y a un truc qui est assez pratique dans le tableau périodique, c'est qu'il vous donne directement les informations sur la structure électronique. Donc, je pense que vous savez, ici, une origine à un électron, qui en a 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, en fait, si on prend par exemple un gaz qui est hyper loin, par exemple, on va prendre le vanadium. Est-ce que vous imaginez écrire toute la configuration électronique depuis la couche 1 avec tous les électrons qu'il y a? Vous êtes d'accord que c'est assez galère. Donc du coup, comme le remplissage c'est le même à chaque fois, et ben pour le rubidium, on ne va pas se casser la tête. On va dire, bah tiens, c'est la configuration du krypton et on va mettre un électron. Parce qu'on a pas envie de se casser la tête et tout écrire. Pour, par exemple, le calcium, on se casse pas la tête, on dit, c'est la configuration de la ronde et on va avoir deux électrons. En fait, à chaque fois, on va dire c'est la configuration du gaz rare juste avant et on rajoute le nombre d'électrons qu'il faut parce que ça serait sacrément long de tout écrire. Du coup, c'est pour ça qu'en exercice, on vous a dit hélium, NO2, etc. On dit c'est la configuration de ce gaz rare-là et combien d'électrons on rajoute pour avoir le compte. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Ouais. Maintenant, je vais laisser à la gâchette. Ok, donc on va reprendre. Du coup, est-ce que c'est... Donc là, c'est vrai. Alors, vous avez vu dans le tableau périodique où était l'hélium. Alors, je ne sais pas si vous avez l'exercice sous les yeux, mais sinon, il y a un tableau périodique normalement sur votre feuille. En tout cas, il faut compter combien de carbone a d'électrons. On sait qu'il y en a 6. Donc, on sait qu'il y a 6 électrons à caser dans la structure électronique. Vous pouvez reprendre le diagramme de Pluskovski qu'on a vu tout à l'heure. Je vais le mettre. On le mettra sur le... Ok, donc il sera sur le drive après. Donc là, on commence par le 1s. Donc on a ces électrons à caser, on s'en rappelle. Le 1s2, parce que l'orbitale atomique, elle n'accepte que 2 électrons. Ensuite, on passe au 2s, on a 2 électrons aussi parce que le s, il n'accepte toujours que 2 électrons. Puis on prend la diagonale d'après, et là il y a un 2p, le p il accepte 6 électrons différents parce qu'il y a 3 orbitales atomiques différentes. Et mais là, on n'a que 6 électrons à mettre, comme c'est le carbone. Et comme nous en reste, on en a déjà mis 4 électrons dans les 2 orbitales atomiques s juste avant. Du coup, il nous reste 2 électrons à mettre dans l'orbitale P. Du coup, ça fait 1s2, 2s2, 2p2. Et comme l'hélium, ça correspond à 1s2, et bien la réponse était bonne. Hop. Vous pouvez écrire soit hélium 2s2, 2p2, donc ça c'est mieux, soit écrire 1s2, 2s2, 2p2. Ensuite, donc, si c'est plus clair pour vous, on peut dessiner cette structure électronique avec les orbitales ici. Donc là, on retrouve le 2s2, donc l'orbital atomique avec les 2 électrons de spin opposé. Et ensuite, on a le 2p2, donc avec les 3 orbitales atomiques, on n'a que 2 électrons à mettre. On en met 1 dans chaque orbital atomique. Et on voit que là, il y a 2 électrons. Ensuite, la question, c'est combien d'électrons célibataires le carbone porte-t-il? Donc c'est pour ça que c'est pratique de remplir les petites cases comme ça, parce qu'on visualise mieux. Donc on a rempli selon la règle de Hund et de Pauli les orbitales atomiques.
Donc la règle de Hund, elle oblige à remplir en demi-couche avant de remplir une case en entier. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre deux électrons dans une seule orbitale atomique alors que les autres sont libres. Il faut d'abord que toutes les orbitales atomiques soient remplies pour qu'ensuite on mette les autres électrons en deuxième dans l'orbitale atomique. Et la règle de Pauli, c'est les électrons qui doivent avoir un spin de sens opposé dans la même case. Donc c'est pour ça que là, les flèches, elles sont dans un sens opposé. Du coup, selon ces deux règles, on a rempli l'orbitale atomique de cette manière-là. Donc on voit que les électrons, ils sont tout seuls dans leur orbitale atomique, donc ce sont des électrons célibataires. Donc il y a deux électrons célibataires. Ok. Quelle est la structure électronique du nickel? Donc le nickel, dans le tableau périodique, on voit qu'il est juste après l'argon. Donc on va se baser sur la structure électronique de l'argon. Donc quand vous faites votre diagramme de Peshkovsky, vous pouvez essayer de noter par exemple les gaz nobles, leur place dans le diagramme de Peshkovsky, comme ça vous les avez sous les yeux. Et vous pouvez directement, à partir du gaz noble, continuer à écrire la structure électronique au lieu de l'écrire en entier, ce qui est vraiment long. Donc, la structure électronique, c'est l'argon 4s2, 3d8. Parce que le nickel, il y a 28 électrons sur le nickel. Donc ça, c'est pareil, ça se voit dans le tableau périodique. Ah ouais, voilà. Donc le nickel, il est là, donc il y a 28 électrons pour le nickel. Et on voit, du coup, juste avant, il y a l'argon. L'argon, il y avait 18 électrons, donc il nous en reste 10 à mettre. Donc on reprend ça, on suit bien le diagramme de Peshkovsky, sachant que l'argon, lui, il est ici, donc les 10 électrons, ils sont casés là. Du coup, on suit bien en diagonale le diagramme de Peshkovsky. Donc ça faisait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, qui correspond à l'argon. Ensuite, on continue pour le nickel avec 4s2. Et on reprend là avec 3d8. Donc les orbitales d, elles peuvent accueillir 10 électrons, parce qu'il y en a 5. Sauf que là, il n'y en reste que 8 à mettre, donc 3d8. Donc bien, pensez à lire le diagramme de Peshkovsky en diagonale. Donc, on peut reprendre le diapo. Là, on voit, c'est écrit argon, 4s2, 3d8. Donc voilà, vous pouvez le remplir ici, si c'est plus clair pour vous. Donc là, pareil, toujours pensez aux règles de Hund et de Pauli. On a rempli un électron là, puis là, puis là. Là. Donc on en a mis 5, et donc il faut en mettre 8. Du coup, on peut mettre maintenant le deuxième électron dans le sens spin opposé sur les 3 premiers, et du coup, il y en a 2 qui sont tout seuls à la fin. Hop. Maintenant, pour le sélénium. Donc, on peut aller voir dans le tableau périodique, encore une fois, il est là, il a 34 électrons, il est juste après l'argon, donc on va encore une fois se baser sur la structure électronique de l'argon pour remplir ensuite le sélénium. Hop, le diagramme de Peshkovsky, donc le sélénium il avait 34 électrons. Donc on remplit 4s2, 3d10 et 4p4. Et ça fait 34 électrons. Voilà, c'est ça. Le nombre de métal de ces électrons, plus 20, plus 10, 30, plus 4, 34. Du coup, ça fait cet ordre-là. Et enfin, non, c'est pas la dernière. Quelle est la structure électronique de non-chlorure? Alors, on va prendre dans le tableau périodique l'atome de chlore, et pas le nom, c'est bien là, il faut faire bien attention. Donc, il est là, il a 17 électrons dans le tableau périodique. Sauf que, on a vu dans les lancers, il était avec un signe moins. Ça veut dire qu'il avait un électron en plus. Donc il en a 18. Donc 18 électrons, bah, ça correspond à l'argon. Donc il a la même structure électronique que l'argon.
Et on a voulu détailler un petit peu plus. Donc là, juste avant lui, il y avait le gaz noble, le néon, qui était à 10 électrons. Donc on a rajouté, selon toujours le diagramme de Chomsky, les 8 électrons pour arriver à la ronde. Donc on peut reprendre le diagramme et arriver le sélénium, 1 SE, 2 SE, 2 SE, 6. Et la ronde, ça fait 3 SE, 3 et 6. Du coup, c'est la structure électronique de l'ion chlorure aussi. Donc bien faire attention aux signes de nos ions parce que ça change tout pour la structure électronique. Maintenant, la question c'est si l'ion sodium a la même structure électronique que le krypton. Alors, on va retourner dans le tableau périodique. L'atome de sodium, il est là, sauf que dans les consignes, on parle de l'ion. Donc, l'ion Na+, donc il avait perdu un électron, donc il est à 10 électrons. 10 électrons, bah, en fait, c'est comme le néon. Le krypton, lui, il est là, il a 36 électrons, c'est pas du tout pareil que le sodium. Donc, le sodium, lui, en fait, la structure électronique est comme le néon. Donc, la réponse était fausse. Le sodium, en fait, il a perdu un électron célibataire et il se retrouve avec la couche identique au gaz rare précédent qui est le néon. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. En tout cas, normalement, pour ceux-ci, l'exercice, je vous conseille direct de noter votre diagramme de Chomsky. Comme ça, vous l'avez sous les yeux, ça ne prend pas trop de temps et comme ça, vous ne vous perdez pas entre toutes les couches électroniques. Donc, la première notion qu'on va introduire, c'est celle d'électronégativité. Je pense que c'est une notion qui vous est assez familière. Donc, l'électronégativité, c'est la grandeur qui caractérise la capacité d'un élément à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre élément. Beaucoup de mots, mais c'est hyper simple. On va prendre un exemple tout de suite et vous allez bien comprendre. Donc, pour ça, on va avoir besoin des configurations électroniques des éléments qu'on vient juste de voir. Donc chose importante, c'est que l'électronégativité d'un tableau périodique, elle augmente de haut en bas et de gauche à droite. C'est-à-dire que plus un atome va être en haut à droite, plus il va être électronégatif. Donc on va prendre un exemple et vous allez voir ça tout de suite. L'élément le plus électronégatif qui existe, c'est le fluor. Il n'y a pas plus électronégatif que lui. Pourquoi ? Le fluor, voici sa configuration électronique. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que sa couche de P, elle est presque pleine. Et les atomes, ils adorent avoir des couches pleines. Du coup, c'est pour ça que le fluor, il est hyper électronégatif. Il a tellement envie d'avoir de remplir sa couche qu'il va attirer un électron super facilement. C'est ça l'électronégativité. Contrairement à, par exemple, le prochain exemple, c'est voilà, le bore. Le bore, il se situe ici. Donc il est moins électronégatif que le fluor. Pourquoi ? Voici sa structure électronique. Ben, vous voyez que pour remplir sa couche, la couche la plus externe, il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5 électrons pour arriver à 6. Donc du coup, il va être carrément moins électronégatif que le fluor parce que pour remplir sa couche, il faudra attirer beaucoup plus d'électrons et ça demande beaucoup plus d'énergie. Et ça, les atomes ne viennent pas trop. Est-ce que c'est clair pour vous ? Pourquoi est-ce que c'est le fluor qui est le plus électronégatif et pas le néon ou l'hélium, parce qu'ils sont plus hauts et qu'ils sont plus à droite ? C'est parce qu'ici, les gaz rares, leur couche est pleine. Donc en fait, ils n'ont aucun intérêt à attirer d'autres électrons parce que leur couche est déjà pleine. C'est vraiment ici, dans cette colonne, il en manque à chaque fois un électron pour arriver à la couche pleine. Donc cette colonne-là, ils sont super électronégatifs, et en particulier ceux qui sont tout en haut et tout à droite. Est-ce que ça va pour vous ? Ouais. Ok. On passe à la suite. Voilà, le fluor, vous avez donné des fluor. Autre notion, le rayon atomique d'un élément.
Donc ça, c'est important de savoir le sens de variation. Donc plus un atome est en bas et à gauche, plus son rayon atomique est important. Ok ? Ensuite, l'énergie des premières ionisations. Donc l'ionisation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est on perd, on gagne un électron. Ou plus, les premières ionisations, du coup, c'est un électron. Donc c'est l'énergie qu'il faut dépenser pour arracher un électron à l'atome, à l'état gazeux. Donc le sens de variation, ça va être celui-ci. Ça varie dans le même sens que l'électronégativité, et on va voir pourquoi. Donc plus un atome est en haut à droite, plus son énergie de première ionisation est importante. Donc ça veut dire que, par exemple, le sodium, son énergie de première ionisation va être beaucoup plus faible que l'hélium, le néon. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ça, c'est des questions, mais je ne vous en vais pas avec maintenant parce que vous aurez le temps d'y revoir plus tard. Ce n'est pas le plus important. Le néon, sa configuration électronique, c'est la suivante. Sa couche de P, elle est pleine. Et ça, ça demande énormément d'énergie pour arracher un électron. Parce que c'est ça l'ionisation. C'est arracher un électron. Donc pour arracher un électron à un atome dont la couche est pleine, ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça que dans le tableau, on vous dit que les atomes qui sont en haut à droite, c'est super dur d'arracher un électron, donc l'énergie de première ionisation est très importante. Contrairement à, par exemple, le sodium, dont je parlais tout à l'heure, sa structure électronique est la suivante. Donc ici, la surcouche de P est pleine, et on a la surcouche 3P avec un électron. Sachant que l'électron il est tout seul dans son orbital, pour l'arracher, ça ne demande pas énormément d'énergie. C'est pour ça que son énergie de première ionisation, elle est faible. Parce que quand on arrache cet électron, et ben après on se retrouve avec une structure électronique avec une couche pleine. Et ça, les atomes, ils adorent. Du coup, c'est pauvre en énergie d'arracher un électron à un atome comme le sodium. Et du coup, regardez dans le tableau périodique, il est bien plus à gauche que les gaz rares. Les gaz rares, leur énergie de première ionisation, elle est phénoménale parce que leur couche externe, les externes, est pleine. Donc du coup, ça demande énormément d'énergie pour arracher un électron. Alors, est-ce qu'il y a un exercice ? Non. Alors, on va passer au chapitre 6, du coup. On va introduire la notion d'électrons de valence. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Les électrons de valence, ce sont tout simplement les électrons qui se situent sur la couche M, la couche d'énergie la plus externe de l'atome. Exemple. On va prendre le sodium. Voici sa couche, sa structure électronique. Donc, la couche M la plus externe, c'est la couche 3P, parce que M égale 3, c'est la plus haute énergie qui existe. Donc, du coup, les électrons de valence, il n'y en a qu'un seul. Parce que sur sa couche d'énergie M, la plus externe, il y a un seul électron. Donc, le sodium a un électron de valence. Autre exemple avec l'oxygène, voici sa structure électronique. Donc, la couche d'énergie la plus externe, c'est la couche M égale 2. Donc, sur la couche M égale 2, il y a les couches de S et de P, on trouve 4 plus 2, 6 électrons de valence. Est-ce que ça va pour vous, cette notion-là ? Ouais. En atomistique, on réfléchit surtout avec les électrons de valence, donc c'est pour ça que c'est important de les repérer. Et je vais vous donner une petite astuce, c'est que le tableau périodique est super pratique pour ça. C'est que, en fait, les électrons de valence correspondent aux colonnes. La première colonne, tous les atomes ont un électron de valence. Deuxième colonne, pareil. Troisième colonne, trois électrons de valence. Quatrième colonne, quatre électrons de valence. Cinquième colonne, cinq électrons de valence. En fait, ça correspond aux couches électroniques. Le tableau périodique, c'est vraiment une mine d'or pour comprendre les structures électroniques des atomes. Là, c'est facile pour vous de faire avec cette technique-là plutôt que de refaire les structures électroniques parce que ça va super vite. Je vous donne un atome, n'importe lequel, le magnésium, deuxième colonne, et la deuxième électron de valence. OK ? Et cette notion d'électron de valence, elle va être hyper importante pour le modèle de Lewis. Alors, le modèle de Lewis, il va nous être utile pour essayer de s'imaginer un petit peu comment les atomes s'organisent entre eux dans les molécules. Donc on va réfléchir que avec les électrons de valence. Et donc il y a certaines règles qui sont importantes à respecter pour le modèle de Lewis. Je
pense que vous le verrez plus en exercice, et là c'est normal si ça vous paraît abstrait, c'est qu'on va faire attention à la règle de l'octet. Sachant que vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire qu'un atome il tend à s'entourer de 8 électrons. Donc à chaque fois qu'on va essayer d'imaginer une molécule avec des atomes entre eux, on va faire attention à cette règle-là. Les électrons valence, évidemment, parce que ce sont uniquement les électrons valence qui sont impliqués dans les liaisons entre les atomes. Les autres, on s'en fiche. Et les charges. Donc je vais vous donner un exemple hyper rapide, mais ça, j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment un exercice que vous allez bien comprendre. Voilà, donc avec le modèle de Lewis, on ne peut pas écrire une seule structure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des structures, mais ce ne sera pas une structure unique. Ça, c'est important à savoir. Du coup, on va prendre l'exemple de la molécule ICl3. Donc d'abord, on détermine le nombre d'électrons valence de chaque atome. On a l'iode. Dans le tableau périodique, on voit qu'il y a 7 électrons valence et également 7 électrons valence pour le chlore. Du coup, dans un premier temps, on va essayer de s'imaginer comment les atomes peuvent se lier entre eux. L'atome central, c'est l'iode. C'est assez simple à voir parce qu'il y a 3 chlores autour. Donc, la molécule, elle va s'organiser comme ça. Donc maintenant, on va placer les doublés non liants. Est-ce que c'est une notion qui vous parle ou pas? Les doublés non liants, ouais, super. Et donc ça, on va les placer en respectant la règle de l'octet. Donc vous voyez que ici, l'iode, il est entouré de 2, 4, 6 électrons. Et pour respecter la règle de l'octet, il lui en faudrait 2 de plus. Alors, ici, alors, du coup, pour l'iode, c'est un peu particulier parce que vous voyez, enfin, je vous dis de respecter la règle de l'octet et elle n'est pas du tout respectée, super. C'est pas grave. En fait, il y a certains atomes pour lesquels la règle de l'octet ne sera pas respectée. Là, c'est le cas de l'iode, vous voyez qu'il est entouré de plus de 8 électrons. Mais c'est pas grave, c'est pas ce que vous verrez le plus. Ce qui est important, c'est que le nombre d'électrons valence soit respecté. Ici, l'iode, il a 7 électrons valence. Et quand on regarde, 2, 4, 5, 6, 7, il est bien entouré de 7 électrons de valence. De même pour le chlore, qui en a normalement 7, ici on en a 2, 4, 6 et 7. La majorité des atomes respectent la règle de l'octet, mais c'est vrai qu'à partir de la troisième période, on a certaines exceptions. C'est pas ce que vous verrez le plus, là ici c'en est une, mais en temps normal, la règle de l'octet est respectée. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Si vous avez des questions, à la fin, on reste, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Si vous ne comprenez pas tout, il n'y a vraiment pas d'inquiétude, vous verrez tout ça en exercice. Et surtout, pendant tout le semestre, vous aurez des heures de cours de chimie, c'est un vrai plaisir, donc pas d'inquiétude. Ok? Donc du coup, est-ce qu'il y a... Attendez, essayez l'exercice ou pas? Sur ça? Après, d'accord. Bon, je laisse la parole à la fille, alors. C'est encore moi. Alors, on m'a fait remarquer une petite erreur que je vais retrouver tout de suite. Voilà. Ici, c'est bien une orbitale S. Hein. Quand vous suivez le diagramme de Klaschowski, ça fait bien 1S, 2S, 2P, 3S, d'accord? Voilà. Désolée pour la petite erreur. Alors, du coup, on va s'occuper maintenant du modèle du SOCAR. Donc, j'espère que ça va et que vous n'êtes pas trop perdu. Là, ne vous inquiétez pas, vous allez le revoir en cours pareil. Si vous ne comprenez pas, parce qu'il n'est pas très très facile à comprendre, mais c'est assez ludique. On y va. Qu'est-ce que c'est que le modèle du SOCAR? Il permet donc, de définir la géométrie d'une molécule à partir de la structure de Lewis qu'Inès vient de vous montrer. On étudie du coup sa structure dans l'espace. Donc là, par exemple, on a une structure qui est linéaire, puisque tous les atomes sont alignés. On a la structure coudée, puisque ça fait un petit coude, hein, quand on plie le coude, ou alors on appelle structure en V. Et on a une structure tétraédrique ici. Ne vous inquiétez pas, on a un petit tableau qui explique tout ça, qu'on va voir tout à l'heure,
et qu'on vous mettra sur le Drive pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ce faire, il y a plusieurs étapes. Il faut tout d'abord dessiner la structure de Lewis. Ensuite, il faut compter le nombre d'atomes liés, les non-liants autour de l'atome central. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire tout seul. On va faire un exemple pour que vous compreniez plus facilement. On va prendre la molécule PF3. On dessine sa structure de Lewis, comme ceci. Donc, le P est l'atome central. Souvent, quand vous, dans vos exos et au partiel, la prof qui fait l'exo vous donnera l'atome central en gras. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous le mettez au milieu, tac, tac, et vous enfilez vos autres atomes périphériques. Donc, on met le P au milieu. On regarde sur le tableau périodique combien il a d'électrons de valence. On les place. Donc, le P, on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. Vous regardez sur le tableau. Et ensuite, vous mettez les doublés non-liants, si besoin est. Ce qui nous fait 3 atomes liés au phosphore. Donc, 3 atomes de fluor. Et un doublé non-liant qui est associé au phosphore. On identifie la forme moléculaire AX3. Donc, 3 est le nombre d'atomes liés à l'atome central. A, c'est l'atome central. X3, le nombre d'atomes liés, et E1, le nombre de doublés non liants, il y en a 1. Mais à quoi ça nous sert de faire ça? Grande question. On va devoir attribuer la figure de répulsion de l'atome central. Pour ce faire, il faut additionner N et M. Donc on avait N égale 3, M égale 1. Donc 3 plus 1, ça nous fait 4, jusque-là ça va. Et 4, on va associer ça à la forme tétraédrique. Donc, je vais vous montrer vite fait pour que vous compreniez. Là, ici. Donc là, on avait la forme AX3E1. On a 4, regardez. En additionnant 3 plus 1, on arrive à 4. Donc, on aura une figure de répulsion ici, qui sera de type AX4, donc un tétraèdre. Vous avez compris que ici, vous avez trois formes, X4, AX3, E1, AX2, E2. Quand vous faites la somme 2 plus 2, 3 plus 1, on arrive à 4, ce qui fait que tout ce qui est égal à 4 aura une figure de répulsion de type tétraédrique, donc cette forme ici, que vous voyez, qui est très jolie. Donc là, vous inquiétez pas, le tableau, vous l'aurez... il faut l'apprendre, parce qu'il est hyper important pour comprendre le modèle SEPR et répondre aux questions. Hop. Donc on a notre modèle tétraédrique, donc ça c'est la figure de répulsion, qui est ici, c'est de cette forme-là. Et à partir de cette figure de répulsion, si on retire les doublés non-liants de l'atome central, donc là, tac, on retire le doublé non-liant, imaginez que ça c'est un doublé non-liant, là c'est les trois atomes de fluor, et là c'est votre petit atome de phosphore. Okay, donc si on le retire, et ben ça nous donne la forme géométrique. La géométrie. Et donc dans ce cas-là, on n'aura plus une forme tétraédrique, comme on a ici, mais seulement une pyramide trigonale. Et là vous me dites, mais c'est chelou tout ça. Et regardez dans votre tableau, que je vous ai mis ici, le tableau d'Inès, il est très très bien. Vous avez tétraèdre, figure de répulsion AX3E1, et vous avez pyramide trigonale directement pour la géométrie. Donc soit vous vous repérez très très bien dans l'espace et vous arrivez à trouver hyper bien les figures directement, soit ben, vous apprenez votre tableau, et ne vous inquiétez pas, hein, ça rentre tout seul, c'est hyper ludique. Hop, donc là, c'était un petit exemple. Double non-liant, géométrie, boum. On en fait un deuxième, la molécule AL2, je vais aller vite parce qu'on aura un exo là-dessus juste après. Donc, hop. On dessine la figure de Lewis en mettant AL au centre. Vous regardez dans votre tableau périodique combien d'électrons de valence votre AL a. Il en a 1, 2, 3, 4. Donc on a besoin d'un doublé non-liant puisqu'il est à 2 atomes de brome. On compte le nombre d'atomes liés, il y en a 2, tac, il y a un doublé non-liant, donc on aura la forme AX2E1. Ok ? On additionne N et M pour avoir notre figure de répulsion, on a 3, et là vous regardez dans votre tableau, vous inquiétez pas YouTube,
Ah bon, vous l'avez vu, c'est trop bien la technologie aujourd'hui. Vous l'avez ici, AX3, vous avez votre petit 3, et du coup on aura un gentil triangle plan. Et nous, après, on a ici AX2, E1, et du coup votre géométrie sera coudée. Ok ? Ça peut paraître compliqué, mais ne vous inquiétez pas, ça se fait très très bien en s'exerçant. On retourne ici, triangle plan. Et ce que je viens de dire là, c'est qu'on a, en enlevant notre doublé non liant, on aura bien une forme, tac, coudée, en V. Bim, bam, bim. Et ça, c'est juste magnifique. Et donc, on en a fini pour la partie courte, et on va faire un exercice sur ça, pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un exercice sur ce que je venais de voir, donc VSEPR. Alors, on a ce magnifique tableau et le but, ça va être de vérifier que chaque information correspond à la molécule. Donc, pour la première colonne. Vous pouvez les prendre en photo si vous voulez vite fait pour vous repérer sur la suite de l'exercice. Et vous n'invitez pas à juste se sur le drame. On va en voir cette vidéo à tout le monde. Donc, on commence avec la première molécule, le CF4+. L'atome central, c'est donc, ça va être le phosphore. Okay. Donc, il est indiqué tout en haut à gauche, en tout petit. Et donc, pour la forme moléculaire, il faut donc voir à combien d'atomes est associé l'atome central. Donc ici, il y en a 4. Donc, on va dire que c'est la forme moléculaire AX4. Ensuite, est-ce que quelqu'un a retenu pour la forme de répulsion à quoi correspond AX4? Ok. Tiens, là-bas. Oui, c'est ça. C'est tétraèdre. Pour la géométrie spatiale, ce qu'on aurait normalement, c'est le doublé non liant. Mais ici, on voit qu'il n'y en a pas. Et donc, on est toujours sur une forme, sur une géométrie spatiale de tétraèdre. Et donc, on peut dire que la réponse A est vraie. Ouais. Du coup, ce que vous avez là, c'est un exemple type que vous pouvez avoir en partiel, où c'est un truc où il faut falloir vérifier chaque information du tableau. Et donc, vous y allez par étapes, vous dessinez votre molécule comme on vient de faire, vous regardez les figures de répulsion et la géométrie. Vous déterminez si vous avez les thèmes, les bonnes. Voilà. Donc, ici, pareil, vous. Alors, l'atome central, on voit ici que c'est toujours le phosphore. Mais cette fois, on a un doublé non liant, d'où le E1, et trois atomes autour du phosphore. Donc, la forme moléculaire va être AX3E1. Donc pour la forme de répulsion, après, il faut additionner donc, le 3 et le 1, donc on a 4. Et donc, la forme de répulsion, c'est toujours le tétraèdre. Donc, la réponse était fausse sur le tableau qu'on avait précédemment. Et par contre, pour la géométrie spatiale, là, on va enlever le doublé non liant. Donc, c'est plus simple si vous, avez une, vous arrivez à voir dans l'espace. Mais à partir de la figure de la forme de répulsion, on va enlever donc, un doublé. Et donc, ça va nous donner une pyramide trigonale.
Donc la réponse était encore fausse, et donc la réponse B est fausse. Ensuite ici, on retrouve le xénon en atome central. Et ici, est-ce que quelqu'un veut essayer de faire la forme moléculaire? Ok. Vas-y. Hop, c'est ça. Et donc, pour la forme de répulsion, pareil, on additionne, ça nous donne 5. Est-ce que quelqu'un a retenu la forme de répulsion à laquelle ça correspond? Vas-y. C'est ça. Bravo. Et la géométrie spatiale, cette fois, on retire, donc on ne rend pas les doublés non liens. Et quelqu'un veut me dire la géométrie spatiale? Vas-y. C'est ça, bravo. Et donc, la réponse C est fausse, puisque la forme moléculaire n'était pas bonne. Ensuite, ici, on a l'atome d'azote qui va être central. Donc, est-ce que quelqu'un veut essayer de tenter la forme moléculaire? Ok, donc ici, on a deux doublés non liants, donc E2, et l'azote est lié à deux atomes d'hydrogène. Donc la forme moléculaire est AX2E2. Au niveau de la forme de répulsion, quelqu'un veut me la dire? Donc c'est toujours la même. C'est toujours la même, donc c'est un tétraèdre, puisque du coup ça nous fait 4. Et au niveau de la géométrie spatiale. Là-bas. Voilà. Vas-y. Ça arrive, ça arrive. Il y a quelqu'un qui est là. Ah, okay. Du coup, on est. C'est ça. Et donc, la réponse D est vraie. Et enfin, on a la dernière molécule. On va retrouver le phosphore en atome central. Et quelqu'un veut tenter la forme moléculaire? De là-haut. Et non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, la première réponse est fausse, puisqu'on n'a pas de doublé non lien. Et au niveau de la forme de répulsion. Si, il y a des doublés non liens. Ils sont juste partout. Il y en a deux. Pour là et. Mais oui, non, mais non, c'est fou. Mmh. C'est fou. C'est fou. Là, c'est fou, ça. Mais t'as pas ça, de non, ça, c'est fou. Mais il y a X4, du coup. C'était que X4, du coup. Il n'y a pas de lumière. Non, bah, c'est bon, on dit qu'il y a des photos. Ok. Et donc, pour la forme de répulsion, c'est un tétraèdre. C'est bien juste à X4. Et au niveau de la géométrie spatiale, on va avoir après aussi un tétraèdre. C'est bien AX4 seulement, c'est pas AX4E2. Oui. C'est juste pour que ce soit clair. C'est en fait la réalité. Ah, ok. Donc, c'est AX4, ils ont inventé. Et donc, l'item est faux. Totalement. Donc voilà, la partie chimie est terminée. Bon courage pour la suite. Et bon appétit. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Bon appétit. Et on se retrouve vendredi pour le reste de la chimie organique. Les cours, les exercices, corrections, je vais les mettre ce midi, comme ça vous pourrez les voir pendant la pause. Et sinon, on reprend pour la biophysique cet après-midi. Bon appétit. Bisous. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Hein. On a fini à l'heure. En avance. De la chimie en avance, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on n'a pas fait Allez, d'accord. Ouais, mais du coup, on le fera demain quand ils auront bien intégré tout ça. Bah, du coup, je vais remettre le tableau là vite fait. Parce qu'on est toujours en état.